Bonsoir à tous, merci de nous recevoir, bonsoir, bienvenue à vous. Bienvenue chez nous, comme dirait Pani, bienvenue sur le plateau Ça se discute comme chaque mercredi soir. Il y a deux jours maintenant, le 14 février dernier, on fêtait partout en France la Saint-Valentin. Un couple sur deux célèbre la Saint-Valentin. Et ce soir, sur le plateau de Ça se discute, la Saint-Valentin continue. 95% des Français estiment que l'on peut tomber amoureux à n'importe quel âge. Et ce soir, on va voir que l'amour, effectivement, n'a pas d'âge. Ce soir, nos invités n'ont pas entre 7 et 77 ans, mais entre 5 et 76 ans. On n'est pas tombé très loin. Nous allons donc parler d'amour, de l'amour qui chamboule tout, de l'amour qui paralyse, de l'amour qui tétanise. Et c'est encore plus rare. De l'amour qui s'éternise. Des amours d'enfance, nous en parlerons avec vous, Gisèle et Yves. Bonsoir et bienvenue sur notre plateau à tous les deux. Vous nous raconterez comment vous vous êtes retrouvés après plus de 50 ans de séparation, ce qui peut paraître absolument incroyable, et comment vos souvenirs de cet amour d'enfance, où vous étiez connus pendant la guerre, fugacement, pendant quelques mois, ont résisté à la vie commune que vous menez maintenant depuis combien d'années ? 3 ans. Depuis 3 ans, c'est comme avant ? Mieux. C'est mieux qu'avant ? Ah oui, aucune comparaison. Des amours d'adolescence, si nous parlerons avec Caroline et Nicolas. Bonsoir à tous les deux, bienvenue sur le plateau. Vous avez 17 ans, Caroline, 15 ans pour Nicolas. Vous êtes ensemble depuis bientôt 2 ans. Vous avez commencé donc à 13 ans, Nicolas, jeune garçon. Vous vivez votre première grande histoire d'amour. Est-ce qu'elle durera toujours ? On verra bien. Vous le pensez ? Vous l'espérez, en tout cas ? Ouais. D'autres ont connu ce qu'on appelle le fameux coup de foudre, ça existe, celui qui fait table rase du passé, c'est le cas de Paulette. Bonsoir Paulette, bonsoir. Bonsoir. Vous nous raconterez comment à 43 ans vous avez quitté un peu brutalement votre mari avec vos enfants sous le bras pour aller vivre avec celui qui avait su éveiller en vous des sentiments jusque-là inconnus. Oui. Ça dure toujours ? Ça dure toujours. Depuis combien de temps ? On s'est mariés il y a 2 ans et ça fait 5 ans que je vis avec lui, ça fait 5 ans que je suis arrivée en Bretagne. Vous avez changé de région ? Oui, de la Somme, je suis arrivée en Bretagne. C'est une somme. Le coup de foudre est aussi passé par chez vous, Florence. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. En 15 jours, vous avez tout quitté pour rejoindre à l'autre bout de la France, vous aussi. Alors, c'est un voyage un peu plus grand que celui de madame. Oui. Vous êtes passé du sud de la France. De 1200 à Dieppe. À Dieppe, pour rejoindre celui que vous appelez ce bel Apollon, qui vous a fait craquer il y a 10 ans. 10 ans après, ça dure toujours. Et vous le saviez, dites-vous, dès la première seconde où vous l'avez aperçu. Ça, c'est incroyable. Tout ça, à quoi vous l'avez reconnu, l'amour ? C'était dans moi, c'était partout, c'était une sensation super. Notre spectateur privilégié de ce soir, qui conclura donc l'émission tout à l'heure, a souvent chanté l'amour sous toutes ses formes, de Traces de toi à La fièvre dans le sang. Vous pourrez d'ailleurs retrouver toutes ses chansons dans un best-of sorti ces jours-ci, intitulé Ce n'est que moi. J'ajouterai ce qui est déjà pas mal. Je vous demande d'accueillir Alain Chamfort, s'il vous plaît. Bonsoir Alain. Bonjour. C'est vrai que l'amour vous a beaucoup inspiré, Alain. Oui, l'amour a été une grande source d'inspiration pour vous en tant qu'auteur, en tant qu'interprète. Oui. Qu'est-ce que vous attendez d'une émission comme celle-ci sur l'amour, avec cette question que nous posons, y a-t-il un âge pour tomber amoureux ? J'attends de passer un bon moment déjà, comme j'espère tout le monde ici. Ouais. Je pense qu'on va assister à des jolis reportages qui vont aller dans le sens de prouver qu'effectivement on peut tomber amoureux à n'importe quel âge. Je pense que c'est un peu le but de notre émission. Ouais. Vous intervenez quand vous souhaitez. Je vous présente maintenant Henriette et Lionel. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors avec vous, effectivement, on va voir que l'amour n'a pas d'âge, que l'amour peut s'épanouir à deux, malgré une grande différence d'âge. 43 ans vous séparent tous les deux. Et pourtant, depuis 5 ans, vous vivez une belle histoire d'amour. Depuis 5 ans, ça dure déjà. Si vous me le permettez, Henriette, est-ce que vous pourriez me dire quel âge vous avez ? Je vais avoir 77 ans, juste avant le Muguet. Juste avant le 1er mai. Et vous, Lionel ? 34 ans, le 24 février. D'accord. 43 années de différence, donc. Une différence qui ne cesse d'intriguer les autres, comme on va le voir aussi dans ce résumé du reportage qu'on verra tout à l'heure en intégralité. Me voilà. Bonjour, mon frère. Bonjour, mon amour. Ça va ? Oui, ça va bien. Tout est prêt ? Ouais.
Il faut appuyer un peu sur les petits pains au chocolat. Est-ce que vous pouvez nous dire le lien de parenté entre ces deux personnes? Bah, ils sont mère et fils. Plutôt la grand-mère et le petit-fils. Je vous dis qu'ils vont se marier bientôt. On peut aimer un corps qui ne soit pas parfaitement harmonieux au niveau des lignes, mais s'il y a quelque chose de plus fort, alors on peut tout aimer chez la personne. Notre amour physique naît d'un désir commun, c'est-à-dire que l'un ne va pas désirer l'autre comme ça. Ça nous vient en même temps. Quelles sont les questions qu'on vous pose le plus souvent quand on vous croise? Des questions? Oui. Eh bien, comment ça peut marcher, justement? Oui. C'est ça qui est super étonnant. Alors, comment ça marche? Bien, parce que à la base, nous nous sommes aimés à travers l'art, c'est-à-dire que nous aimons beaucoup l'art, et nous nous sommes découverts parce que elle écrit beaucoup, Henriette Aimé écrit beaucoup de poèmes. Qui? Henriette Aimé écrit beaucoup de poèmes, et c'est ce qui m'a charmé vraiment dès que j'ai fait connaissance, dès que nous avons fait connaissance, et ça a été extraordinaire parce que... Il vous laisse en placer une de temps en temps? Pardon? Il vous laisse en placer une de temps en temps quand même? Ça arrive, Jean-Luc. Ça arrive, hein. C'est l'amour total, c'est l'amour... C'est un amour magnifique, c'est un amour incompréhensible tellement il est fort. Et ce qui est le plus fort, c'est dans notre regard. Quand nous avons les yeux dans les yeux sont tellement pétillants d'amour et de joie qu'on ne peut pas en douter. Okay. Merci. À vos côtés, Véronica et Emmanuel, qui essaieront de faire aussi bien que vous. Vous avez respectivement 20 et 23 ans. Bonsoir à tous les deux, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes déjà les heureux parents d'un petit Antoine qui a presque un an, un bébé qui arrivait tôt, qui n'était pas programmé. Vous étiez encore au lycée, Véronica, quand vous avez donc donné naissance à ce petit, en cachant jusqu'au dernier moment cette grossesse à vos parents. On verra que c'est possible. On verra comment vous y êtes prise aussi pour faire cela. Vous avez hésité à garder cet enfant à coucher sous X. Finalement, vous l'avez gardé et vous dites que ce bébé a consolidé votre amour. Vous songez désormais au deuxième. Un résumé du reportage qu'on vous a consacré. Moi, c'était la première fois que je rencontrais quelqu'un qui était aussi câlin que moi. Et ça m'a complètement fait craquer. D'avoir des câlins à volonté, ça... Quand je me lève, elle a le dos à poing fermé. Je me lève, je fais 2 mètres et je sens qu'elle cherche. Elle cherche. Tu l'as fait cette semaine. Je me suis levé et je suis resté là à te regarder. C'était là, tu cherchais. Et vous tiens, il est toujours près de vous, comme ça? Oui, oui, oui. Maintenant, ça s'est un petit peu calmé, mais alors... les premiers temps, c'était infernal. Les premiers temps, c'était infernal, oui. C'était assez... Bon, j'aimais bien, mais... c'est vrai qu'il y a des fois où... Oui, dans certaines limites. Vous ne pouvez pas vous décoller de votre compagne, non. J'essaye pas non plus. Ouais. Donc maintenant, les plus jeunes invités de notre plateau de ce soir, ils s'appellent Olivia et Guillaume. Bonsoir Olivia. Bonsoir. Ça va? Oui. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Si on additionne vos âges, tous les deux, vous êtes encore 7 fois plus jeune que l'amoureuse de Lionel. Oui. Vous avez tous les deux 5 ans et demi. Oui. Vous êtes connus à la garderie. Oui. Il n'y a pas de quoi rigoler. Pourquoi il rigole? Pourquoi il rigole? Tu t'es trompé. Ah bon? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est pour ça qu'il rigolait alors. Je me suis trompé, j'ai dit quoi? On s'est connus au Tivoli. Ah! Qu'est-ce que c'est le Tivoli? C'est un jardin. Il est au Canet. Ah d'accord, près de Cannes. Voilà. C'est ça. Je m'étais trompé, effectivement. Non, près de Mougins. Près de Mougins, de Mougins. De Mougins. Mougins, d'accord. C'est toi qui t'es trompé, là? Ou c'est moi? En tout cas, ensuite, vous avez été dans la même école maternelle? Non. Non, non plus. Olivia, non? Oui, on a été dans la même école maternelle. Pourquoi il dit non? C'était pas dans la même classe, mais dans la même école, oui. Mais maintenant, on a changé parce que Guillaume a déménagé. Quand? Ben, je sais pas quand il avait déménagé, mais... Il y a longtemps. Il y a longtemps? T'as l'impression que ça fait longtemps aussi, Olivia? Ben, un peu quand même. Hein. Mmh. Vous aviez quel âge quand vous vous êtes rencontrés tous les deux? 2 ans. Qui avait 2 ans?
Moi, j'avais au moins 3 ans ou 2 ans, je sais pas. Ouais. On sait pas. D'accord. Bon, hey, le principal, c'est d'être amoureux. Vous êtes amoureux, tous les deux? Oui. Oui, on est amoureux. T'as dit eux. Tu es sûr ou tu es pas sûr, Olivia? Oui, je suis sûr. Tu es sûr. Ça veut dire quoi, être amoureux, pour vous? Ils rigolent parce qu'ils sont jaloux de l'amour. Ils sont jaloux de votre amour, tellement ils vous trouvent mignon. Ça veut dire quoi, être amoureux? Ça veut dire qu'on aime quelqu'un. D'accord. Et qu'après, tellement qu'on l'aime, on devient vraiment très amis, même pas amis, amoureux. C'est comme ça qu'on se marie et qu'on devient amoureux. Ça fait plus de 3 ans, en tout cas, que vous êtes amoureux l'un de l'autre. Qu'est-ce que Olivia a de plus ou de mieux, Guillaume, que les autres filles que tu connais? Qu'est-ce qui te plaît chez Olivia? Je suis jamais allée chez elle. D'accord. Sinon... Et toi, Olivia? Ben... Qu'est-ce qui me plaît chez Guillaume? À sa maison ou... Voilà. C'est là qu'il faut que je précise. Quand on dit chez Olivia, je voulais dire... Je voulais pas dire chez elle. Je voulais dire... Comment dire tu trouves qu'Olivia est mieux que... C'est ton amoureuse. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce que tu aimes bien... particulièrement... Qu'est-ce que je pourrais dire Olivia te plaît, pourquoi? Pourquoi elle te plaît? Parce qu'elle me trouve très beau. Ah. Et toi, tu la trouves comment? Toi, tu la trouves comment? Tu la trouves comment, toi, Olivia? Jolie? Très belle. Ah. Gentille? Oui. Coquine? Non. Et toi, tu le trouves coquin? Ben... Un tout petit peu, pas trop. Il est gentil? Oui, gentil aussi. Charmant? Intelligent? Intelligent, oui, aussi. Ouais, ok. Fort? Intelligent, fort? Pardon. Fort? Oui. Oui. Et toi, tu la trouves intelligente? Oui. Gentille? Oui. Coquine? Non. Non, toujours pas. D'accord. Donc on va regarder le reportage qu'on a tourné avec vous. On va voir que vous vous aimez. Vous vous aimez tous les deux. Hein. Vous vous aimez comment? Très fort. Très fort. Très fort. Le week-end dernier, vous vous êtes donc revus. Ça faisait 6 mois, en fait, que vous étiez séparés, puisque c'est avant la rentrée dernière que Guillaume a déménagé pour changer d'école. Il y avait Sabrina, Obadia, de Ça se discute, et Ludovic Fortin, qui sont venus donc filmer vos retrouvailles. Qu'est-ce que vous regardez là? C'est vous qui regardez? Sur l'écran. Ce sont donc vos retrouvailles, Shabadabada, orchestrées par vos parents. C'est un petit bijou d'amour. Voici donc ce premier reportage pour débuter cette émission sur l'amour. Fais attention, tu baves un petit peu. Attention, non, c'est parti. Mais c'est quoi comme déguisement ça? C'est le déguisement de la reine des cœurs. Ah, le déguisement de la reine des cœurs. Vas-y. Mais c'est quoi la reine des cœurs? Reine des cœurs, eh ben, c'est une reine d'amour. Et Guillaume, c'est ton roi? Guillaume, c'est mon roi de l'amour. Un cavalier court l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée d'un Z. Qui veut dire Zorro. Zorro, Zorro. Oui, bon, je crois qu'il y a beaucoup de reines, hein. Je sais pas. Non, je sais pas. Oui. Non. Il est complètement amoureux. Hein. Il est amoureux d'elle. Il a choisi elle. Oui. Ça dure combien de temps, un bisou? Ben, ça dure... une petite heure. Je suis tombée amoureuse quand j'ai vu la première fois. Et ton cœur, il a battu très fort? Il a battu fort comment? Montre-moi.
très fort comme ça. Tout de suite, je l'ai vu et tout de suite, je suis tombée amoureuse de lui. C'est quoi pour toi le coup de foudre ? Le coup de foudre, c'est que vraiment, il m'avait choisi, mais vraiment, vraiment qu'il change pas d'amoureux. Alors... Ça t'embêterait qu'il change d'amoureuse ? Oui, ça m'embêterait. Ce qui m'a plu, c'est vraiment qu'il était beau. Il n'est pas seulement beau, il est aussi, il est gentil. Et j'aime bien qu'on est un peu coquin. Moi aussi, je suis un peu coquine, alors... Ça veut dire quoi pour toi, être amoureuse ? Être amoureuse, ça veut dire qu'on se marie, qu'on a des enfants... Tu lui avais demandé d'être la femme de ta vie ? Comment tu l'as demandé ? Est-ce que tu es ma femme de ma vie ? Elle a dit oui. Tu veux te marier avec elle ? Tu veux qu'elle soit comment, sa robe de mariée ? Blanche. Là, ça fait combien de temps que t'as pas vu Guillaume, à peu près ? Je sais pas, moi... 6 ans, je sais pas, 8 ans. Non, je sais pas. Et t'as quel âge ? Moi, j'ai 5 ans et demi. Ça ne fait pas 9 ans, mais 6 mois que ses petits amoureux ne se sont pas revus. Guillaume a déménagé, il a changé d'école, mais Olivia ne l'a jamais oublié. 14h, c'est presque l'heure du rendez-vous. Olivia se maquille et enfile sa plus belle robe. Guillaume, lui aussi, sort le grand jeu, parfum et nœud papillon. Sur les joues ? Sur les abats avec ça. Tu vas me faire la cocotte ? Oui, c'est beau. Oui ? Oui, c'est vraiment très beau. Voir encore. Mais là, comme ça. Oui, c'est vraiment très beau. Moi, j'aime bien. Mais mes cheveux, je veux pas que tu me les coiffes encore parce que c'est beau comme ça. Avec une petite frisette là, une frisette là et là un peu aplatie. Moi, j'aime bien comme ça. Comme ça. Hop. Je soulève pas trop, sinon ça va me pincer la tête. Ah, d'accord. Aïe, ça m'a pincé la tête. Excuse-moi. Excuse-moi, chérie. Allô ? Bonjour Guillaume. Je sais pas sur quelle plage on se retrouve, alors je voulais t'appeler pour ça. Tu vas à quelle plage ? À Bijou Plage. Il va à Bijou Plage. Quand tu sais que j'ai très envie de te voir, alors quand on va être sur la plage, et on va se faire un petit bisou pour te dire bonjour. Oui. Ça dit oui. Tu t'es fait beau aujourd'hui, là ? Je vais mettre du gel. D'accord. Non, moi, j'ai rien mis, mais par contre, je me suis maquillée. Je me suis maquillée, hein. Ouais, au revoir. J'ai mis du parfum aussi. À tout à l'heure. Il est plus là. T'as un peu peur ? T'as le cœur qui bat ou ça va ? Non, j'ai pas peur du tout. J'ai même pas le cœur qui bat. T'as même pas le cœur qui bat ? Non. Pourtant, on a le cœur qui bat quand on est amoureux. Ton cœur, il devrait faire baboum, 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 baboum. Bah, il fait pas, regarde. Il fait pas ? Va. Un petit peu baboum, quand même. Un petit peu, mais non. Et tu crois que le cœur de Guillaume, il fait baboum en t'attendant ? Ben oui, peut-être. Peut-être qu'il a peur. Hein. T'aurais pas envie de lui chanter une chanson, Guillaume ? Oui. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui chanter ? Belle. Belle ? Celle-là, il adore. Tu me la chantes à nouveau ? Oui. Belle. C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Quand elle danse et qu'elle met son corps à joue. Telle un oiseau qui tend ses ailes pour s'envoler. Alors je sens faire s'ouvrir sous mes pieds. J'ai posé mes yeux sur sa robe de détails. Merci. Oh, tu me rassures. Oh, on est... Waouh, c'est trop beau. Ah, merci Guillaume. Cet été, il avait le blues, hein, on peut dire ça comme ça. Hein. Il était triste parce qu'il n'allait plus revoir Olivia. Il changeait d'école, donc il ne voyait plus Olivia. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que quand même, avec la notion du temps qui est la leur, qui n'est pas la même que la nôtre,
6 mois, c'est important et ils pensent toujours l'un à l'autre. C'est ça, je trouve que c'est une... En ce sens-là, c'est une belle histoire. Alors, ça, tu vois, alors, il y a un dieu qui s'appelle Cupidon, qui est un peu petit, tu vois, et quand il y a la flèche là-dedans, ça veut dire... Cupidon, il nous lance une petite flèche dans le cœur, et après, c'est ça qui nous fait tomber amoureux. Tu vois? Vous avez envie d'avoir des enfants? Oui. Combien? Bah, 2 ou 3, je sais pas. Ouais. 1000. Bah, moi, une Juliette. Et parce que... 2 filles, parce que j'adore. Hein. Les filles. Oh, on va me faire un trou, c'est pas grave. T'es d'accord pour avoir des filles, Guillaume? Mmh. Ouais, t'embêtes pas. Et si on a des garçons? Bah, on sait pas parce que moi, je sais pas si je pourrais faire une fille ou un garçon. Hein. C'est vrai que je pense qu'à partir de 4-5 ans, on peut effectivement se souvenir qu'on a éprouvé un sentiment très fort pour quelqu'un d'autre. Il s'appelait Boris. Moi, elle s'appelait Rita. En fait, j'en avais 2, Rita et Chantal. Moi, mon souvenir remonte à ma maternelle, elle s'appelait Corinne. Et c'est quelque chose qu'on ne leur a pas appris, c'est venu d'eux-mêmes. C'est un instinct. C'est un instinct, ouais. C'est vrai, comme dit Willy, ils commencent leur parcours initiatique de la vie. Quoi. Ça t'a plu comme reportage? Oui, ça m'a plu. Qu'est-ce qui t'a plu? C'est que quand c'était un peu drôle, quand on se faisait des bisous, là, dans le reportage, et ben ça me faisait rigolo. Pourquoi? Pourquoi? Je sais pas. Qu'est-ce qui est rigolo? Je sais pas, moi. Ce qui est peut-être rigolo, c'est de faire des bisous à un garçon qui a pas de dents devant, là. Ah, ouais, tes dents? Bon, vous avez vous embrasser. Vous vous embrassez souvent? Oui, un peu oui. Souvent. Un peu souvent. Vous aimez bien vous embrasser? Oui. Ouais. C'est quoi la différence entre un baiser d'amoureux et un baiser pas d'amoureux? Ben, la différence, c'est que quand on est amoureux, c'est sur la bouche. Quand on n'est pas amoureux, c'est sur la joue. Ah, d'accord. Et vous avez découvert ça tout seul? Oui. Oui. Pourquoi tu rigoles, Guillaume? Est-ce que tu penses que tu aimeras Guillaume toute ta vie, Olivia? Oui. Oui, très fort. Bon. Et toi, Guillaume? Oui. tu l'imagines comment la vie plus tard avec Olivia, quand tu l'imagines? J'ai tout mon temps. Tu imagines plus tard quand tu seras grand avec elle? Oui. Et alors ce sera comment? Je sais pas. Tes copines à l'école, elles savent que tu as un amoureux, Olivia? Ben oui, elles savent un peu. Mmh. Un peu. Mais tu as qu'un seul amoureux, tu n'as pas un autre amoureux à l'école? Non. Non. Et toi, Guillaume? Non. Tu n'as qu'une seule amoureuse? Oui. Et c'est? Olivia. Oh. Et tu en parles à tes copains et tes copines? Non. Non, c'est pourquoi? C'est parce que c'est un secret, c'est quoi? C'est un secret. Ça se crée entre vous deux, puisque maintenant vous êtes séparés de quelques kilomètres et vous avez plus trop souvent l'occasion de vous voir. On va en parler avec la maman d'Olivia, Florence. Où êtes-vous? Vous êtes là. Bonsoir, madame. Bonsoir. Et que vous inspire ce que vous avez vu d'abord dans ce reportage? Vous n'étiez pas des deux côtés de la caméra, parce qu'on avait 2 caméras, l'une chez Guillaume et l'autre chez Olivia. Que vous inspire les sentiments qu'ils ont l'un pour l'autre? C'est très attendrissant. Et puis, c'est vrai que Guillaume a déménagé il y a 6 mois, mais... Je suis assez heureuse puisque nous déménageons à notre tour et que finalement nous nous rapprochons de Guillaume et de ses parents et qu'à 4 minutes de voiture, ils seront à nouveau ensemble. Alors évidemment, ils sont plus qu'heureux de savoir qu'ils habiteront à nouveau l'un près de l'autre. Ils se retrouvent avec énormément d'affection l'un pour l'autre. Ça vous a surpris? Ça m'a surpris, oui. Enfin, c'était juste avant effectivement qu'ils se revoient. Et Olivia est arrivée de l'école en me disant...
Je l'aime, Quentin. Je lui dis, attends, Quentin, mais tu aimes plus Guillaume. Ah non, non, mais Guillaume, c'est pas pareil. C'est Guillaume que j'aime, c'est pas Quentin. Non, mais... Et dès que, bon, effectivement, dès qu'on a parlé de Guillaume, c'est Guillaume, et puis c'est Guillaume, quoi. C'est pas... Qui est-ce Quentin, Olivia? De ma classe. Ouais. C'est un ami qui est gentil, mais quand même, des fois, il est un peu très coquin. Mais il est quand même gentil. Hein. Mais avant, je l'aimais, mais maintenant, j'avais vu Guillaume, et maintenant, c'est Guillaume que je vois, et c'est vrai, j'ai changé d'amoureux, c'est quand c'est Guillaume, et voilà. Tu penses qu'on peut avoir un seul amoureux ou plusieurs amoureux? Un seul. Et toi, Guillaume? Un seul. Ouais, voire une seule même. Jean-Philippe, vous êtes le papa de Guillaume. Vous dites dans le reportage que Guillaume a eu un gros coup de blues cet été, lié à l'absence d'Olivia. Ça s'est manifesté de quelle manière? C'est vrai qu'il y avait des moments de tristesse comme ça, parce que des moments où on ne s'y attendait pas, il venait nous dire « Oh, je suis triste parce qu'à la rentrée, je ne vais plus voir Olivia ». Et à plusieurs reprises, effectivement, pendant les vacances, c'était présent dans son esprit. Et puis, il a eu l'occasion de la retrouver par hasard pendant les vacances de Noël au Musée océanographique de Monaco. Ah, c'était un hasard, là? Oui, tout à fait. Ouais. C'était assez marrant. Alors? Et surprise. Et puis, beaucoup de timidité, oui. Et puis voilà, quoi. Après, par l'intermédiaire de la maman d'Olivia, ils se sont revus, par téléphone plutôt. Ils se sont recontactés par téléphone. Et puis, Olivia est revenue dans les sujets de discussion. Quoi. Vous pensiez que ça pouvait durer aussi longtemps entre deux enfants aussi jeunes? Non, comme on le voit dans le reportage, j'étais assez surpris justement que 6 mois, ça soit encore présent dans leur esprit à tous les deux. Ouais. Bon, maintenant, ils ont plein de projets, donc c'est magnifique, il y a des sorties prévues. Et... Vous dites tout à vos parents ou vous leur cachez des choses? On dit tout. On dit tout. Tout? Tout. Tout. D'accord, je demandais à... Sauf ce qu'on ne connaît pas. Sauf ce qu'on ne connaît pas, évidemment. Ça, on ne peut pas inventer des choses qu'on ne connaît pas, on ne sait pas. Ça, c'est sûr. Gisèle et Yves, vous qui vous aimez depuis l'âge de 11 ans, ça vous inspire quel commentaire de voir des amours enfantines comme celle-là qui tiennent aussi longtemps, en toute proportion gardée? C'est vraiment très, très mignon. On est admiratifs. C'est un dixième de leur vie qu'ils ne s'étaient pas vus. Oui. Plus de la moitié de leur vie qu'ils se connaissent et qu'ils s'aiment. Ouais. Aussi petit. Ça nous est arrivé et ça a continué, et ça continue encore maintenant. Vous avez eu des enfants chacun de votre côté? Oui. Oui, oui. C'était pour ne pas en faire ensemble. On les a fait chacun de son côté. Oui, et vous êtes retrouvés il y a un peu plus de 3 ans. On y reviendra tout à l'heure, mais on va continuer avec les amours enfantines, avec Théophile et Mélina qui sont avec nous quelque part. Où est-ce qu'ils sont, Théophile et Mélina? Bonsoir, ça va? Bonjour. Alors, vous êtes un peu plus âgés qu'Olivier et Guillaume, vous avez tous les deux 8 ans. Oui. Vous vous souvenez de la première fois que vous vous êtes vus tous les deux? Oui. Raconte, Mélina. On était sous un parapluie tous les deux et puis c'est là qu'on s'est rencontrés. Sous un parapluie? Dans quelles circonstances? C'était où? C'était chez une maman qu'on connaît. D'accord. C'est quoi être amoureux à ton avis? Amoureux, c'est que quand on sera adulte, on restera toujours ensemble. Ah ouais. Est-ce que se dire amoureux, c'est pas un peu comme faire comme les grands, jouer un peu à faire les grands? Si. Ouais. Oui. Et c'est agréable de jouer à faire les grands? Non. Non? Oui. Ah bon, pourquoi non? Parce que j'aime pas. Ah bon? Vous préférez rester un enfant? Ouais. Et pourquoi oui? Parce que... C'est bien. D'accord. Puis, Qu'est-ce qui te plaît chez Théophile? Sa tête. Et puis... Il est gentil? Oui. Il est idiot? Non. Non. Il t'écoute? Ou il t'écoute pas quand tu lui racontes? Il m'écoute. D'accord, c'est important? Il te dit des mots gentils? Oui. Qu'est-ce qu'il te dit? Il me dit, est-ce que tu m'aimes des fois? Je dis, oui. Et puis... Voilà. Vous avez des photos? Oui. Oui. Chacun a une photo de l'autre? Oui. Et vous les regardez souvent? Oui. Oui. Oui.
D'accord, moi je vous souhaite une longue vie d'amour, si je peux me permettre, et je vous remercie d'avoir été avec nous. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'histoire de Guillaume ? Que c'était bien. Oui ? C'était joli ? Oui. Merci à tous les deux. On va revenir à Gisèle et Yves, puisqu'on s'est aperçu avec eux qu'il faut prendre au sérieux les amours enfantines. Votre première rencontre a eu lieu donc il y a plus de 50 ans. Alors les mœurs des petites filles et des petits garçons de l'époque n'étaient peut-être pas les mêmes que celles d'aujourd'hui. Quelles étaient vos relations ? Alors que vous étiez plus âgés hein, que ces deux couples. Oui, on avait 11 et 12 ans. Oui. Vous êtes restés combien de temps ensemble ? 2 ans. Dans quelles conditions exactement ? Eh bien, c'était pendant la guerre. Moi, j'étais chez ma grand-mère, il était dans sa famille aussi. Il venait de Toulon, moi de Paris. On s'est trouvés là un petit peu rapprochés peut-être par les circonstances. En zone libre ? Non, même pas. Non, en zone occupée, ouais. En zone occupée, mais on était à la campagne, dans un petit village minuscule où les Allemands ne sont jamais arrivés, où ils sont passés et ne présentaient vraiment aucun intérêt. Ouais. Donc, on était tout à fait en sécurité. Et vous habitiez ensemble ? Comment ça se passait ? Non, Yves habitait dans le village même, et moi, à 1,5 km, on se retrouvait à l'école. Ouais. Donc c'est là que vous vous êtes rencontrés, à l'école ? Voilà. Et au bout de combien de temps vous avez su que vous étiez attirés tant que ça, l'un pour l'autre ? Je pense tout de suite. Et on n'avait pas besoin de parler, on le savait très bien. Et d'ailleurs, Saint-Exupéry a dit, on ne voit bien qu'avec le cœur. Ouais. Pas besoin de se dire des grands mots. Et vous êtes dit des grands mots quand même pendant cette période ? Non. On ne s'est jamais dit qu'on s'aimait. On le savait, c'est tout. Mais alors, vous passiez beaucoup de temps ensemble, tous les deux ? Non, en fait, pas beaucoup. Parce qu'à l'école, bon, les garçons et les filles étaient dans la même classe, mais jamais un garçon à côté d'une fille. Donc, en classe, on était séparés. À la récréation, les filles jouaient d'un côté et les garçons de l'autre. Donc, vous n'êtes jamais parlé, quoi ? Si, parce qu'on allait au patronage le dimanche après-midi. D'accord. Et c'était là où on se retrouvait le plus, en fait. Et qu'est-ce que vous faisiez ensemble ? Ben, je racontais l'évangile. Vous faisiez des petits bisous, vous aussi ? Jamais. Jamais de petits bisous ? On n'a même pas échangé un bisou. Non, la main dans la main ? Jamais. On n'avait pas les mêmes mœurs, il faut quand même se remettre 60 ans en arrière. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, vous êtes restés ensemble pendant... Vous êtes restés ensemble, faut vous... Pendant deux années scolaires. Ouais. Et puis, la libération de Paris a eu lieu en premier, puisque moi, j'étais dans le sud. Et Gisèle a rejoint Paris, victime d'une crise d'appendicite. D'accord. Et là, vous avez gardé vos noms, vos adresses, vos... Pas du tout, parce que je suis partie très brutalement. J'étais vraiment en mauvaise santé, parce que je n'ai pas réussi à aller jusqu'à Paris. J'ai dû être opérée d'une péritonite en route. Ah oui, d'accord. Donc, c'était assez grave. Oui. Ça s'est bien passé, puisque... Je suis encore là. Vous êtes encore là. Et c'était un gros chagrin d'amour quand vous êtes séparés ? Comment vous l'avez vécu, pour chacun ? Pour elle, non. Moi, oui. Ouais. Pour vous, non ? Bon. J'étais tellement malade que je peux dire que sur le coup, je ne pensais pas à grand-chose. Mais les semaines qui ont suivi, par exemple ? Ah ben oui, les semaines qui ont suivi, il m'a manqué, c'est sûr. Mais comment renouer le contact ? Vous n'avez pas moyen de renouer le contact ? Je n'ai pas trouvé de moyen. Je suis retournée l'année d'après, mais il n'était plus là, bien entendu. Et vous vous êtes dit, je ne le reverrai jamais ? Je me suis dit ça. Oui. Et vous aviez le souvenir de quel petit garçon ? Oh, un petit garçon drôle, amusant, un petit brun, remuant, gay, taquin, gouailleur. Et vous avez le souvenir de quelle jeune fille ? Ben pour moi, de toute façon, c'était la plus belle. Ouais. Comment vous pensiez à elle, par exemple, dans les semaines qui ont suivi son départ ? Ben pour moi, j'ignorais totalement. Je ne connaissais que son nom. Et encore, j'aurais été peut-être pas en mesure à l'époque de l'orthographier, et son prénom. Je savais qu'elle habitait Paris. Quant à moi, habitant un petit village du Midi, je ne lui ai pas donné le nom de ce village, parce qu'il devait à l'époque pas être inscrit sur la carte. Ouais. Je lui ai dit simplement Toulon, la ville la plus proche. C'est-à-dire qu'en fait, pendant plus de 50 ans, vous avez vécu sans avoir aucune nouvelle. L'amour restait à l'état latent. Hein ? L'amour restait à l'état latent, mais vous dites que vous... Latent, c'est-à-dire latent, caché. Et vous aussi, pour vous, c'était latent ou c'était plus... Non, il y a eu quand même une vie amoureuse. Oui. Il faut quand même être franc. Mais il y avait toujours cette pensée vers Gisèle. Et je n'avais qu'une aspiration, c'était retrouver Gisèle. Mais vous le disiez à votre épouse ? Bien sûr, elle était tout à fait au courant. Et en 80, je n'ai plus la date, nous avons même fait un pèlerinage dans la Nièvre, dans ce village. Et moi, dans un but précis, c'était d'essayer de retrouver les traces de Gisèle. Mais votre femme n'était pas jalouse de ça ? Jalouse, elle était très jalouse, mais jalouse ou pas jalouse, c'était comme ça. Mais c'était pas... Des amours enfantines, peut-être ça n'y attachait pas trop d'importance. Moi, je voulais retrouver Gisèle, c'est-à-dire je voulais retrouver mes 11 ans.
J'ai tout retrouvé, sauf Gisèle. Et vous, Gisèle, alors, au fil des années, quelle a été, comment a évolué votre... Il m'est arrivé d'aller passer des vacances à Toulon, puisque ma sœur habite Toulon. Donc, quand je me promenais à Toulon, et je me disais, bah, peut-être je passe à côté de lui, et je ne le reconnaîtrais pas, je ne saurais même pas que c'est lui. Donc, ça occupait vos pensées, quand même, alors? Ah oui, tout de même. Tout de même, il restait là. L'amour à gamin, c'est plutôt... Moi, je sais que homme, c'était de dire... J'ai une copine. Vous aussi, vous êtes passé par là. Ouais, ouais. Hein, j'ai une copine. Ouais, ça m'arrive. Bon, mais après, la définition du mot amour, je pense qu'elle évolue en fonction de l'âge. Après, c'est le partage. Mais à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, vous passiez comment, Gisèle? Vous aviez l'impression que c'était de l'amour? Vous étiez amoureux de vos 11 ans ou vous étiez amoureux d'une femme qui... J'étais amoureux d'une jeune fille. Et pourquoi vous aviez envie de la revoir? Parce que vous saviez bien que vous ne reverriez pas une jeune fille quand vous la retrouverez. Mais lorsque on s'est revus, oui. 53 ans après, mais on s'est revus à 11 ans. On n'a vu ni les rides, ni les moustaches. non, on s'est revus à 11 ans et on a repris la vie à 11 ans. Parce que vous étiez séparés l'un et l'autre de chacun de votre côté de vos maris respectifs et votre femme. Tout à fait. Vous avez vécu combien de temps une vie maritale, une vie de couple avec quelqu'un d'autre? Moi, 30 ans. Et moi, 8 ans. À vous, 8 ans. Mmh. Mais j'avais toujours la photo de l'école, d'ailleurs, de la classe, on est une trentaine, il n'y a que moi qui l'ai conservée. Et je l'ai conservée parce que dessus, il y avait Gisèle. C'est pas parce qu'il y avait les stites, hein, je m'en foutais de mes stites. Hein. Voilà, si, de toute façon, il n'est plus là, hein. Vous pouvez y aller, oui, faut le charger. Il y a quand même son fils, peu cher. Ouais. Il y a quand même son fils peu cher, d'accord, à qui nous transmettons évidemment nos respects, voire nos hommages. Donc là, on a une photo effectivement qui date de 1944. 44. Il est le troisième en bas. Ah oui. Et de l'autre côté, moi je suis la troisième aussi. Géométrique. Ah oui. Ah, c'est pour ça qu'on pouvait trouver. Et puis, non, c'est vrai que vous n'avez pas changé. Hein. Comment vous vous êtes retrouvés mutuellement? Moi, j'ai eu la chance de retrouver un copain d'école. Et qui habite toujours dans la Nièvre, d'ailleurs. Et chaque fois qu'on se voyait, enfin, chaque fois, une fois tous les ans, dès qu'il arrivait, avant de lui dire bonjour, je lui demandais « As-tu des nouvelles de Gisèle ?» Et ça a été une obsession. Et finalement, il y a donc 3 ans, il est arrivé en mardi soir avec l'adresse de la sœur de Gisèle à Toulon. Mais comment il l'avait retrouvée? Parce que le... Une histoire de famille. Une histoire, ça. Oui. Mon frère et ma sœur ont chacun une maison dans le Morvan, à l'endroit où j'habitais pendant la guerre. Ouais. Et donc, la femme enfin, cette dame qui est mariée avec ce garçon, sur notre photo, la dame est la sœur du maire. Donc, comme mon frère et ma sœur y ont des propriétés, le maire connaît leur adresse respective à Toulon. Et, j'ai mis 30 ans pour avoir l'adresse de la sœur de Gisèle. D'accord. Et ensuite, ça vous a suffi pour retrouver Gisèle? Une fois que j'avais l'adresse de Gisèle à Toulon, à la sœur de Gisèle, je me suis pointé le dimanche après-midi avec la photo. Je ne connaissais pas sa sœur, puisqu'elle est plus âgée que nous. Et je lui ai dit, voilà, je vais vous montrer une photo. Et elle m'a simplement dit, mais pourquoi vous avez cette photo? J'ai dit, parce que je suis dessus. Et là, elle a compris. Bon, elle m'a fait rentrer chez elle, elle a appelé sa sœur. Au téléphone. Au téléphone. Voilà. Et alors? J'ai demandé à Gisèle, quand j'ai eu l'appareil, si je pouvais la tutoyer, parce que ça faisait 53 ans que nous nous connaissions. J'ai entendu un grand cri au bout du fil, Yves. Bon, mais ça va, j'ai... Vous l'avez reconnue? Ah oui, immédiatement. À l'accent déjà. À l'accent. À l'accent, oui. Voilà. Vous êtes dit quoi? Rien. Alors là, c'était vraiment la foudre qui tombait. Je m'y attendais aussi peu que possible. Ça a été vraiment... C'était une longue conversation téléphonique ou ça a duré... Non, alors là, on a échangé prise quelques de contact, mots. Elle a autorisé sa sœur à me donner son numéro de téléphone personnel. Oui, puis j'étais chez mes parents quand ma sœur... Le soir, je l'ai appelé. Vous habitiez chez vos parents à l'époque? Non, j'habitais pas chez mes parents, j'y étais. Non, j'ai pas eu besoin de demander autorisation aux parents. Ouais. Et le soir de la maison, je l'ai appelé, ça a duré de 20h à 1h du matin. La facture de téléphone a été relativement importante. Vous avez parlé de quoi? De tout ce que vous aviez fait chacun dans votre vie? Voilà, oui. C'est un peu ça. On essaie de reprendre contact. Ouais. Simplement, je lui ai dit qu'une phrase, je lui ai dit que je t'aime toujours. Ça s'est arrêté là. Ça doit être assez étrange, non? Comme c'est très étrange, oui. Et ça vous a inspiré quoi? Quelle a été votre réaction?
Sur le coup, je n'ai rien répondu. Je l'ai laissé venir. Mais elle n'avait pas besoin de répondre. Parce que déjà, l'après-midi, elle avait poussé un cri. Ça suffisait. Vous saviez qu'il restait... Qui dit mot consort, hein. Et qui pousse un cri, insiste quand même. Hein. Oui, non, ouais. Voilà. Ouais. L'air de dire, retéléphone-moi. C'était... Ouais. Vous êtes retrouvé, vous êtes vu combien de temps après ce coup de fil ? Cinq jours. Ouais. Et ça s'est passé comment ? On a pris le TGV. Enfin, j'ai pris le TGV. D'accord, pour monter sur Paris et on avait rendez-vous sur le quai de la gare de Lyon. D'accord, voilà pour les détails techniques hein, de la fiche de police. Et sinon, pour ce qui est plus sentimental, quand vous vous êtes vu ? C'est difficile à décrire, mais c'est vrai qu'on était sur le quai de la gare, là, ça a été vraiment... oui, on n'a pas vu s'il y avait d'autres personnes. On était sur le monde, sur le quai de la gare. Et on essayait, à force de se regarder, d'essayer de retrouver les traits de l'enfant qu'on avait laissé à 11 ans. Ouais. Et ensuite ? Ensuite, on est allé manger au restaurant. Ah ouais. On a continué à essayer de renouer avec le passé. Ça tombait bien parce que c'était au mois de février 97 et c'était pour la Saint-Valentin. C'était pile 3 ans, quoi. Pile 3 ans. Et on a fêté nos 50 ans de mariage ce soir-là. Vous au restaurant. De nos mariages. Non. Et ensuite, assez vite, vous avez décidé de vous installer ensemble. On a attendu 6 mois quand même. Ah ouais. Voilà. Pour demander l'autorisation des parents. Et alors que, bon, vous avez connu un type de relation que vous n'aviez pas connu 50 ans plus tôt. Est-ce que c'était comme vous l'imaginiez ? Mieux. Mieux ? Mieux, puisqu'avant, on n'avait pas connu. Ouais. Donc... Depuis, vous vivez ensemble, hein, il faut le préciser quand même. Depuis, nous vivons ensemble, oui. Ouais, ça depuis fait... octobre 97. Et comment ça se passe ? C'est pas difficile de prendre des habitudes, de s'habituer à vivre avec quelqu'un qu'on a si peu connu ? Ça a été difficile, ouais. Ça a été très facile. Mais justement, l'amour à notre âge, c'est plus... C'est faire des concessions, c'est... C'est, de la c'est partager. C'est de l'affection, ouais. C'est... Et puis c'est pas... C'est essayer d'être intelligent. Ouais. Mais ça nous est facile à notre âge. C'est pas toujours facile pour les jeunes. Ah bon. Merci. Merci pour eux. Quand on se connaît, non mais quand même, malgré tout, même si on a l'impression de se connaître, même s'il y a un souvenir très fort qui reste marqué, en plus par une période qui est une période importante de notre histoire, tout ça, j'imagine, s'ajoute, s'additionne et crée un souvenir exceptionnel. Quand on commence à vivre ensemble 53 ans plus tard, on ne se connaît pas ou on se connaît extrêmement peu. Oui, c'est vrai. Ouais. Oui, on a tellement de choses à se raconter qu'on va dépasser centenaire. Vous avez trouvé des points communs dans les vies parallèles que vous avez menées, oui, chacun loin de l'autre ? Bah oui, d'une part, on était mariés l'un et l'autre. On a eu nos enfants chacun de notre côté. Et puis au point de vue carrière, eh bien, nous avons tous les deux fait une carrière militaire. Ah bon ? Quel grade ? Adjudant-chef. Et vous ? Kiff-kiff. Pourquoi je vais me changer ? Adjudant-chef aussi. Mais bien sûr. Eh ben. Avec on aurait pu se rencontrer, se retrouver, mais bon, ouais. Ça ne s'est pas fait. On n'était pas prêts, si vous voulez. Mais en 50 ans de vie, quand même, on change. Comment expliquer que l'amour soit resté intact ? C'est quand même difficile à comprendre, ça. Mais parce que, comme... C'est un amour pur et fort. Il n'a pas été s'esquinté par des... Oui, c'est ça, il n'a pas eu le temps de s'esquinter, finalement. Les disputes qu'on a à 20 ans, jalousie et puis tout le reste, ils ont passé tout ce cap-là sans justement ne pas avoir à l'affronter. Ils se retrouvent comme c'est le meilleur. On n'a plus de soucis, on n'a qu'à penser l'un à l'autre. Et qu'en pensent vos ex respectifs ? Ah, moi, je n'ai pas de contact, alors je ne sais pas. D'accord. Je sais qu'il est au courant par mes enfants, mais c'est tout. Et vous ? Non, moi, ça... très bien. Très bien. Oh, oui. Comment elle l'a pris quand même, votre femme ? Parce que pendant un bon moment de votre vie, vous lui avez dit que vous aviez un autre amour, que vous souhaitiez la retrouver, etc. Elle était un peu jalouse, vous le disiez tout à l'heure. Beaucoup. Quand elle s'est aperçue que vous l'aviez retrouvée, que vous vous installiez avec elle... Ah non, je n'étais plus avec mon épouse quand j'ai retrouvé Gisèle. Oui, mais quand elle l'a su quand même. Que quoi ? Que Que vous l'aviez retrouvée, cet amour d'enfance dont vous lui aviez tant parlé. Ne regardez pas comme ça, monsieur l'adjudant. Même chef. Elle l'a su à un moment que vous l'aviez retrouvé, cet amour d'enfance dont vous lui avez parlé tant de fois. Oui, puisque je l'ai annoncé à ma fille aînée. D'accord, mais qu'est-ce qu'elle a dit ? Quelle a été la réaction de votre ex ? Elle l'a dit à moi. Ouais, mais à votre avis, elle l'a pris comment ? Oh, je pense qu'elle l'a bien pris, puisqu'elle savait que c'était non seulement une obsession, mais c'était un but. Et j'avais atteint un but
que je m'étais forgé depuis 50 et quelques années. Je vais demander à une psychanalyste et psychothérapeute de venir nous rejoindre, Nicole Fabre, s'il vous plaît. Nicole, merci à tous les deux. Vous pouvez continuer à dialoguer. Bonsoir, madame. Bonsoir. Vous voulez, on veut dire. Oui, vous recevez dans votre cabinet des personnes de tous les âges et les questions d'amour reviennent, Nicole, souvent sur votre canapé. Vous êtes aussi l'auteur de nombreux ouvrages. Le dernier publié chez Albin Michel, affiché derrière vous, s'appelle « Blessures d'enfance, les dire, les comprendre, les dépasser ». Alors, on l'a entendu avec Gisèle et Yves, l'amour d'enfance se prolonge parfois jusque très tard. 53 ans plus tard, 53 ans de séparation, c'est une histoire qui vous étonne ? Alors, non, ça ne m'étonne pas, je n'en ai jamais rencontré, mais ça ne me surprend pas, d'abord parce que je pense qu'il y a peu de choses qui sont surprenantes dans ce domaine des sentiments et de l'amour. Donc, ça ne me surprend pas, et en plus, je trouve que ça me fait extrêmement plaisir, parce que ça donne une image de l'homme et de la femme qui a une durée, sans qu'on s'occupe du temps, en quelque sorte. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement réjouissant de les entendre. Ça, c'est la première chose que j'aimerais bien dire. Et puis, la deuxième chose, c'est que je pense que si cet amour a pu se retrouver de cette manière-là, c'est peut-être justement parce qu'ils ne s'étaient pas joués quand ils étaient petits. Et puis, voilà, les sentiments étaient restés. Et comme il ne s'est, au fond, rien passé, tout a pu, quelqu'un le disait tout à l'heure, il n'y a pas eu d'accrochage, il n'y a pas eu tout ça, et il n'y a pas eu non plus l'idée qu'ils étaient obligés de continuer à rester amoureux, puisque personne ne pesait sur eux pour dire « Ah, les amoureux, comme ça arrive quelquefois qu'on le dise devant des enfants. » Si bien qu'ils étaient tout neufs quand ils se sont retrouvés. Et les deux, on ne va pas déranger trop, en parlant trop fort, mais qu'on a entendu tout à l'heure parler d'amour. Ils parlent de vrais sentiments amoureux, ils se comportent comme des grandes personnes. Alors, je crois qu'il s'agit de sentiments amoureux dans tous ces cas-là. Freud disait que l'inconscient n'a pas d'âge et n'a pas de temps. Et comme l'amour est fabriqué en grande partie avec des choses qu'on ne connaît pas de nous-mêmes, qui ne sont pas conscientes, c'est assez normal qu'on puisse éprouver un sentiment amoureux, au fond, à tout âge. Qu'on soit tout petit, qu'on soit jeune ou qu'on soit âgé. Est-ce vraiment être amoureux de la personne avec qui on est ou est-ce que c'est être amoureux du sentiment amoureux ? Y a les deux. Il y a les deux. Je crois qu'on peut éprouver un sentiment amoureux même quand on est enfant. Mais moi, je me garderais un peu de confirmer que ce sentiment amoureux doit durer toute la vie. Ils sont très bien. Je veillerais quand même à ne pas les installer dans ce sentiment amoureux qui a pourtant toute sa réalité. Enfin, ne pas le reconnaître comme devant durer toujours. Je pense mais à cette marier, petite fille. Quoi. Pas les marier, pas les marier d'office. Mais c'est pas le cas, je crois du tout. Mais c'est vraiment pas le cas du tout, non. Non, mais c'est pas une critique de ce que vous avez dit ou fait. C'est une remarque pour dire que je comprends bien que les choses se soient passées d'une manière aussi joyeuse dans votre cas, que je pense que les amours des enfants sont quelque chose de très réel, qu'un enfant peut être très très heureux d'amour et souffrir aussi des chagrins d'amour. Je pense à ce petit garçon entrant dans mon bureau et me disant un jour, ici on peut tout dire, tu sais, tu es la dame pour les ennuis, j'ai un gros ennui. Alors je lui demande quel est ce gros ennui, et ben voilà, Caroline je l'aime, et elle ne m'aime pas. Et c'était quel un âge, désespoir profond, il avait 8 ans. Et c'était vraiment un très grand désespoir chez ce petit garçon. Et c'était le même que j'ai entendu une heure après, exprimé par un homme qui avait une trentaine d'années et qui avait lui aussi une Caroline qu'il aimait. Et la Caroline n'aimait pas cet homme-là. Et c'était vraiment le même chagrin. Et pourtant, l'amour n'est pas le même, parce que l'amour de l'homme de 30 ans et de la jeune fille ou de la jeune femme de son âge, enfin, comporte toute l'expression sexuelle, toute l'expression du corps, d'une manière beaucoup plus complète qu'elle ne peut exister chez l'enfant, beaucoup plus profonde. Mais c'était le même chagrin. Du point de vue du sentiment, c'était de la même chose qu'il s'agissait. Est-ce que tous les enfants peuvent se retrouver amoureux ou est-ce qu'il y a des enfants qui sont plus attirés que d'autres vers ce sentiment-là ? Alors, je ne saurais pas répondre en général, mais il me semble pouvoir dire que beaucoup d'enfants éprouvent un sentiment amoureux. Et alors, ils le disent de manière différente. Ou bien ils disent qu'ils sont amoureux, bon, voilà. Ou bien ils disent c'est mon copain, c'est ma copine, comme disent leurs aînés.
Mais ça relève un peu du sentiment amoureux. Et puis il y en a d'autres qui disent, je pense à une petite fille que je recevais il n'y a pas longtemps, qui disait, on serait peut-être un peu amoureux, mais je sais bien que ce n'est pas possible. Et alors elle passait sur le plan de l'amitié, elle parlait de l'amitié, et c'était intéressant, enfin chez une gamine, de parler de cette amitié qui peut-être un jour deviendra un autre sentiment, mais elle distinguait. Et quand la jeune fille qui est derrière Mélina disait j'aime bien parce qu'il m'écoute aussi quand il parle. Oui. Il est gentil, il est intelligent, il m'écoute. Oui. Des adultes pourraient tenir des adultes pourraient dire la même chose. Un langage équivalent. Et je crois que ces sentiments-là, il faut les prendre au sérieux chez l'enfant. Il faut absolument reconnaître qu'un enfant peut se sentir. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de maturité dans le fait de se réjouir de ce qu'on est écouté, d'avoir envie de se faire joli pour l'autre. C'est des comportements un peu calqués sur celui de l'adulte, mais quand on dit je l'aime parce qu'il m'écoute, ça c'est pas calqué sur l'adulte, ça c'est l'enfant qui le sait, qui le sent, qui le reconnaît. Nicole, vous avez parlé des amours enfantines, des amours d'adultes, en comparant donc ces deux garçons ou messieurs qui exprimaient la même douleur. Oui. dans votre cabinet. Qu'en est-il des amours adolescentes? Qu'ont-elles de particulières? Alors, les amours adolescentes, elles ont ceci de particulier que, tout de même, à l'adolescence, on n'est pas encore un adulte, bon, tout le monde le sait, mais que, pendant l'adolescence, on a déjà disponible une sexualité qui s'est éveillée, qui est là, qui est présente, ce qui n'est pas le cas chez les enfants. Donc, on est plutôt les adultes ou plutôt les enfants, alors? Et alors, on est l'un et on est l'autre. Et à certains moments, on est plutôt un adulte et à d'autres moments, plutôt un enfant. Et moi, j'entends des adolescents parler de leur relation amoureuse avec finalement beaucoup de sérieux, beaucoup de profondeur. Mmh. En même temps que j'en entends d'autres dire « Oh là là, ça fait longtemps que ça dure avec Stéphane. » Alors je dis « Ça fait combien de temps ?»« Ça fait au moins 10 jours. Mmh. » Alors bon, là, je me dis le temps n'est pas le même pour tout le monde. Mmh. Mais il y a des Stéphanes avec qui les choses durent, restent, et l'amour s'installe et peut durer avec sa dimension. Ça fait 2 ans pour Caroline et Nicolas. Vous reconnaissez dans ce que dit madame? Un peu enfant, un peu adulte, Nicolas? Un peu, oui, mais je veux dire, sur le point de vue de l'amour, je pense qu'on est, du moment qu'on aime, à mon avis, on est plus adulte chez l'adolescent. C'est-à-dire que ça fait basculer du côté des grands? Ça fait qu'on, voilà, on se dit maintenant j'aime une personne, il faut que je me montre un peu plus adulte dans ma tête, quoi. On peut faire plus de projets, quoi. Plus de projets, ouais. Plus adulte dans ta tête, ça veut dire quoi, Nicolas, par exemple? Je sais pas, ça veut dire sérieux avec elle, sérieux tout court? Non, oui, mais sérieux même avec l'entourage qu'on fréquente, je sais pas, c'est plus plus grandir, quoi, du moment. Du moment que l'amour, c'est aussi adulte, se dire, peut-être que ça continuera, donc que ça va continuer. Donc, Mais ça veut dire pour autant passer à côté de son adolescence, des bêtises qu'on fait à cet âge-là et tout? Non, vous faites des bêtises ensemble, par exemple? Disons que on vit une vie d'adolescent, mais en même temps, des fois, on pourrait s'identifier à des adultes sur certains points de vue. Caroline nous a dit en préparant l'émission qu'au début, Nicolas était un bon copain, un peu comme un frère, quoi, c'est ça? Ouais. Comment il est devenu un amoureux peu à peu? Comment c'est venu? Comment ça s'est transformé, Nicolas? Ça a été direct. On s'est rencontrés à la rentrée des classes, en 4e. Tu avais 13 ans? J'avais 13 ans. Non, j'avais 12 ans à l'époque. 12 ans, ouais. Et elle m'a attiré physiquement d'abord. Et puis après, on s'est parlé. Et je me suis rendu compte que c'était elle, quoi. Et pendant ce temps-là, vous qui étiez un peu plus grande, vous avez 2 ans de plus que lui? Non, moi, c'était pas du tout comme ça, quoi. Je le prenais vraiment comme un frère, comme un très grand ami, un meilleur ami. Et on est parti au Canada avec la classe. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, quelqu'un d'autre voulait sortir avec lui. Et en fait, j'avais pas du tout envie que cette personne sorte avec. Donc là, on se remet en question. On fait, si tu ne veux pas, c'est qu'il y a quelque chose. Et en fait, on se rend compte que c'est l'amour, c'est plus de l'amitié. Et donc, en fait, j'ai monté d'un grade, on va dire, quoi. Mmh. Je pensais plus à l'amitié, mais plutôt à l'amour. Et pendant ce temps, il sortait avec l'autre fille, lui? Non, parce que moi, c'était Caroline, et justement, je me suis dit, faut que j'essaie de l'oublier, parce que dans ma tête, c'était impossible. Ouais. Donc je me suis dit, je vais essayer de l'oublier, et pourquoi dans ta tête, c'était pas de l'amour avec l'autre personne. Ouais. Elle voulait pas dans ta tête, Caroline? Pour moi, non, c'était impossible, quoi. C'était ma grande sœur, quoi. Ouais. Mais tu lui as dit que tu étais amoureux d'elle ou... Non, c'est elle qui a fait le premier pas, quoi. Ah, comment? À ce moment-là, justement, au Canada? Non, chez lui.
Au retour, mais c'est au Canada. Tu fais en sorte d'empêcher que. Quelques jours après qu'on ait. Tu as fait en sorte d'empêcher que la relation puisse. Ouais, en fait, puisque cet été, il devait y retourner. Vous avez foutu la merde, quoi, pour parler. Et donc, j'ai fait c'est maintenant ou jamais, parce que s'il revoit la fille cet été, ben c'est fini, quoi. Mmh. Donc, ben, je me suis jetée, et puis voilà. Ouais, ça, c'était il y a deux ans et quelques. Ouais. Deux ans et demi, presque. Non, deux ans. Deux ans. Mmh. D'accord, comment vous l'avez dit? Bah, je sais pas, on s'est compris, quoi. Vas-y. Vous aviez, dans votre intimité, quand vous pensiez à Caroline, vous, Nicolas, c'était en quel terme? C'était fraternel, amical, c'était amoureux, c'était sexuel, c'était comment? C'était vraiment amoureux, c'était pour tout, c'était pour son physique, pour son mental, pour ses attitudes, le sourire aux lèvres qu'elle a souvent, quasi permanent, et voilà. Comment vos parents ont accueilli la nouvelle? Parce que vous aviez à l'époque 13 et 15 ans. En ce qui concerne mes parents, je ne leur ai pas dit tout de suite parce que j'en voyais pas trop l'utilité. Puis ils l'ont appris par la suite c'est venu dans la conversation. Puis ils l'ont pris très bien. Puis vu qu'on était déjà beaucoup amis, je veux dire, ça les a pas vraiment étonnés, quoi. Vous vous projetez dans l'avenir? On essaye, mais on a un peu de mal en même temps parce que, je veux dire, on a vécu deux ans ensemble, mais deux ans dans une vie de couple, c'est pas beaucoup. Donc on se dit, si on se projette dans quatre ans, on peut pas forcément savoir. Ils habitent très loin de l'autre. Vous habitez 20 minutes en bus. Et vous couchez l'un chez l'autre depuis combien de temps? Même quand on était juste amis, on dormait déjà l'un à côté de l'autre. Ça fait trois ans, quoi. D'accord. Est-ce que de ce point de vue-là aussi, vos parents étaient faciles à convaincre? Oui. Ouais. Ils sont cool. Isabelle, il y a la maman de Nicolas qui est avec nous quelque part. C'est vous la maman de Nicolas? Quand vous entendez votre fils parler d'amour avec autant de maturité, à son âge, ça vous inspire quoi? Bon, je peux pas dire ce que ça m'inspire. Enfin, Nicolas et Caroline sont souvent à la maison, on parle souvent d'eux. Ils sont assez ouverts l'un et l'autre. Donc même s'il y a des petites choses des fois qui vont pas... ils sont là, ils en parlent, donc si vous voulez, leur amour, il est naturel. C'est vrai que nous, on n'a pas à rentrer dedans, hein, on n'est pas là pour les diriger. En même temps, effectivement, dans leur vie, on est obligé aussi de les diriger par moments, parce que ils aimeraient être tout le temps ensemble. Mais Nicolas a 15 ans, et il y a une vie, il y a le lycée, il y a ce qu'il fait en dehors du lycée, à côté, donc il faut arriver à tout gérer, les heures passées au téléphone et tout. Ouais. Beaucoup? Voilà, ouais, une heure tous les jours presque. Ouais. Oh, arrête. Oui ou non? Ouais. Non, mais à chaque fois, le moindre coup de téléphone, c'est trois quarts d'heure minimum, quoi. Ouais, mais c'est... Voilà, parce qu'ils sont plus dans le même lycée. Donc c'est vrai qu'avant, ils étaient dans le même collège, donc ils se voyaient tous les jours. Maintenant, ils ne sont pas dans le même lycée, parce que les orientations diffèrent, ils ne sont plus dans le même lycée, donc effectivement, ils ne se voient plus tous les jours. Et parce qu'on a quand même une règle, c'est quand il y a cours le lendemain, ils ne se voient pas. Ils ne dorment pas ensemble, ils ne restent pas ensemble, ils ne passent pas la soirée ensemble s'il y a cours le lendemain. Donc effectivement... C'est un souci des belles-mères, Caroline, en général. Avec quoi tu n'es pas d'accord? Non, le coup du téléphone, je ne suis pas d'accord du tout, non. Non, non, mais regarde Isabelle, attends, on s'appelle... Allez, on va dire deux ou trois fois par semaine, pas plus, quoi. Franchement, on s'appelle, tu veux savoir quand? Le mardi et le vendredi. Parce que je te jure, quoi, je... Non, mais c'est pas grave. Mais... Quoi, c'est pas grave? Vous êtes en train de lui dire menteuse, là? Parce que je sais pas s'il réalise toujours, quoi. Non. Je sais pas s'il réalise toujours. Qu'est-ce qu'il réalise pas, à votre avis? Même le temps qu'ils peuvent passer au téléphone. Tu te mêles pas, Nicolas, là? Tu te mets pas entre ta copine et ta mère, là? Je veux dire, il y a de vrai dans les deux. Et... je veux dire... je pense qu'on peut pas dire on se voit deux fois... Enfin, on se téléphone deux fois par semaine. Je pense qu'il y a des semaines où on va se téléphoner plus souvent. Il y a des semaines où... Enfin, il y a des fois où on va rester plus longtemps au téléphone. Je crois que c'est que le mardi et le vendredi. Et C'est régulièrement. Ouais. Mais, c'est rare qu'un couple tienne aussi longtemps quand on commence à l'âge de 13 ans, quoi. Ça suscite quelle réaction chez vos amis, ça? Ils y croient pas, ou ils veulent pas y croire, ou... c'est impossible, quoi. Plus particulièrement, quoi. Les filles, elles sont heureuses pour nous. C'est super, deux ans, j'aimerais bien que ça m'arrive. Mais les garçons, ils font, de toute façon, ça marchera jamais. Dans un an, c'est terminé, je laisse tomber, quoi. Laisse tomber, ça marchera pas. Donc, je pense...
Mais t'es obligé de défendre un peu la qualité, la force de ton amour. Moi, je leur montre la preuve. Je veux dire, la preuve, ça fait 2 ans que je suis avec Caroline et ça marche. Quoi. C'est toujours aussi bien. C'est de mieux en mieux. C'est de pire en pire. C'est peut-être de mieux en mieux. Il y a des disputes. Ouais, bien sûr. Enfin, je veux dire, il y a des fois où on se remet en place et voilà. Quoi. Alors Véronique et Emmanuel, malgré les quelques années qui vous séparent de ces deux jeunes gens, est-ce que vous avez trouvé quand même quelques similitudes dans votre histoire? Vous êtes tombés amoureux l'un de l'autre à quel âge? Moi j'avais 17 ans, et 17 ans et demi, et lui 20 ans. D'accord. Vous nous dites dans le reportage qui va suivre qu'avant 17 ans, vous aviez vécu une vie de... Je me suis amusée, oui. Ouais. C'est quoi, vous amusez exactement? C'est-à-dire sortir avec des garçons, aller m'amuser, danser, voir des amis. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment ou à un autre, à 17 ans, vous vous êtes arrêté pour ne plus en voir qu'un seul? Ce qui est arrivé, c'est que je l'ai vu, et puis on a passé quelques journées ensemble, et j'ai su que j'étais amoureuse de lui, c'est venu tout seul. Je ne me suis pas posé la question, je ne me suis pas dit... J'ai rencontré Emmanuel et puis je vais rester avec lui. Au bout de combien de temps vous avez dit que vous étiez vraiment amoureuse de lui? Ça faisait une semaine, je crois. En une semaine? Une petite semaine qu'on était ensemble. Alors vous avez 20 ans, Véronica, Emmanuel a 3 ans de plus. Vous êtes aujourd'hui les parents d'un petit Antoine qui a 10 mois, qu'on va découvrir dans un reportage. En quoi l'arrivée de ce petit garçon a donné un autre sens à votre relation de couple? Parce que là, vous êtes jeune, vous n'êtes pas extrêmement jeune, il y a plus jeunes, hein, mais des gens plus jeunes qui ont des enfants. Mais rares sont les couples qui ont des enfants aussi jeunes et qui tiennent. Et rares sont ceux qui disent que l'enfant consolide ou renforce même la relation de couple. Comment vous l'expliquez, ça? Il permet de nous stabiliser. C'est-à-dire qu'on a des caractères quand même relativement forts. Et il nous permet de pouvoir nous poser un peu et puis de se dire que... Enfin, de réfléchir un peu avant d'agir. Et puis aussi parce que les circonstances ont fait qu'on a découvert qu'on s'aimait vraiment par rapport aux circonstances de la grossesse. Et tout ça, ça nous a rapprochés. Ça nous a fait dire qu'on s'aimait, on était fait l'un pour l'autre. Et puis que avec tout ce qu'on avait traversé, c'était l'amour, ça pouvait être que ça. On vous écoute avec beaucoup d'attention sur le plateau, enfin surtout Caroline et Nicolas, parce que là, les deux, là, ils sont un petit peu décrochés pour l'instant. Là, ils sont en train de découvrir s'ils ont des points communs, justement. Est-ce que t'aimes ça ou pas? Alors, c'est pour toi. Voilà. Distribue. Voilà, bien sûr. Ça. Tu veux que ça soit pour toi? Bien. Ils ont les mêmes goûts, visiblement, aussi. Hein. Ouais. Et eux deux, le fait qu'ils expriment que l'enfant qu'ils ont eu ensemble a encore renforcé leur amour, même si cet amour était déjà très présent. Ça vous fait réfléchir? Je ne vais pas vous mettre la pression, évidemment. Non, non. Mais disons qu'on a du mal à s'imaginer, quoi, étant donné que ça ne nous est pas arrivé. Donc, ouais. Personnellement, je peux pas dire. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de passer à côté d'une partie de sa jeunesse, quand même, quand on a des enfants aussi jeunes, non? Ouais. Je pense aussi. Non? On ne peut pas faire la même chose, quoi. Je sais pas. Si, parce que... Pensez à quoi, par exemple? Je sais pas, sortir, s'éclater. Ah si, mais on sort, on s'éclate. Là, on est venus, on a voyagé tous les deux pour passer un moment en amoureux. Enfin, je veux dire, on a des gens qui sont présents, j'ai mes parents qui... On a plus des responsabilités, alors qu'à 20 ans, on pense plutôt à faire autre chose que... Bah non, puisque moi, je pense pas. Ouais, mais d'autres jeunes penseront peut-être que... Je sais pas, moi, je me vois pas à 20 ans avec un gamin... Non. Ça dépend de chacun aussi, et ça dépend de la maturité de chacun. Puis oui, comment... Nous, ça se passe bien, donc c'est sûr que c'est plus facile. On peut préciser que vous ne l'aviez pas prévu, hein, ce bébé, il est arrivé tout seul. Évidemment, je parle à la présence d'enfants. Bon, on va regarder ce reportage quand même, qui nous donnera donc une idée de ce que c'est que d'avoir un enfant assez tôt. Et assez vite, vous vivez donc aujourd'hui une vraie vie de famille partagée entre votre bébé, vos parents, vos amis. Vous avez beaucoup de mal à vous détacher, à vous décrocher l'un de l'autre, comme on va le voir donc dans ce reportage de Gilles Couder et de Stéphanie Guérin. Reportage où nous allons découvrir que vous avez caché votre grossesse, Véronica, jusqu'à quand? Jusqu'à la fin, le jour de l'accouchement, ils ont découvert. Vos parents ont été prévenus? Le jour de l'accouchement, ils sont avant, arrivés. Avant ou après? Non, le jour même. Le jour, avant ou après? Avant. Donc ils ont eu le temps de se faire à l'idée quand même. Oui, 2 heures. 2 heures pour se faire à l'idée qu'on devient grand-mère. C'est un reportage de Gilles Couder et de Stéphanie Guérin. Allons-y.
On dit toujours qu'il se ressemble, ça semble. Et que c'est pas toujours vrai parce que ça s'applique pas à nous. Ah non, c'est l'inverse, on est totalement complémentaires. Il n'y a rien de plus différent que nous deux. Alors qu'est-ce qui vous a attiré alors ? Moi, c'était la première fois que je rencontrais quelqu'un qui était aussi câlin que moi. Et ça, ça m'a complètement fait craquer. D'avoir des câlins à volonté, ça... c'est un tel besoin qu'on pourrait pas passer, on pourrait pas passer une nuit sans l'autre. Quand on se couche, je vais dans ses bras, ou lui, il vient dans les miens. C'est systématique. Sans ça, on pourrait pas continuer. La nuit, des fois, quand je me lève, elle dort à point fermé. Je me lève, je fais 2 mètres et je sens qu'elle cherche. Elle cherche. Tu l'as fait cette semaine. Je me suis levé, et je suis resté là à te regarder. J'étais là, tu cherchais. Viens, Il y a 3 ans, Emmanuel et Véronica se rencontrent en boîte de nuit. Le coup de foudre n'est pas immédiat, mais au bout d'une semaine, ils ne peuvent vivre l'un sans l'autre. À partir de là, tout va très vite. Et Véronica décide de présenter Emmanuel à ses parents. Qu'est-ce qui se passe, mon bébé ? C'est quoi ça ? Cette façon de se projeter, c'était la première fois que j'entendais ce langage chez elle. Quel genre de langage ? Justement, des projets d'avenir avec la personne avec qui elle vivait son histoire d'amour. Or, avant, elle avait eu des petits copains qu'elle nous avait présentés, en tout cas un. Et il n'y avait pas ça. C'était différent. À 18 ans, Véronica est enceinte. C'est l'année où elle doit passer son bac. L'arrivée non programmée du petit Antoine lui fait quitter le lycée. Les grands-parents vont apprendre la naissance de leur petit-fils le jour de l'accouchement. Ça fait quoi d'apprendre sur le coup comme ça qu'on est grand-mère et on a combien de temps d'adaptation? Il faut faire 2 heures. On a 2 heures exactement. Le temps qu'on arrive devant le gynécologue qui fasse l'échographie, puis il vous le dit. Dans 2 heures elle accouche, donc vous avez 2 heures pour vous préparer. Et moi dans ces 2 heures-là, et puis même avant quand elle me l'a dit, je me suis dit, on pourrait avoir été enceinte, je me suis dit putain, elle a... je pourrais peut-être pas dire putain, mais je le dis quand même quoi. Elle a vécu ça seule, quoi. J'ai eu peur pour elle, j'ai eu peur de la mise en danger, j'ai eu peur de ça. Mais à aucun moment, il y a eu la colère. Je voulais que ça se passe bien, qu'elle aille bien, qu'il lui arrive rien. Je voulais que le bébé sorte bien, je l'ai regardé sous toutes les coutures quand le bébé est sorti. Vous pensez qu'il n'y aurait pas eu cet enfant, ils seraient toujours ensemble? Oui. Non, sincèrement, je pense que même s'il n'y avait pas eu Antoine, je pense qu'ils seraient toujours ensemble. Antoine, c'est... une des pièces de puzzle qui fait leur amour, je pense. Mais c'est pas Antoine qui solidifie leur relation ou qui, je pense pas, il fait partie de leur histoire. L'histoire pourtant a failli mal tourner quand Emmanuel a dû apprendre à son père la naissance d'Antoine. Il va faire frais aujourd'hui. Bon, vous aussi, pendant que vous y êtes. Hein. Embrassez-moi 36 fois. Quand Emmanuel est arrivé et que je l'ai aperçu de loin, je me suis demandé si j'allais l'embrasser ou si j'allais lui mettre une beigne avant. Ce qui ne m'aurait pas empêché de l'embrasser après. Et finalement, j'ai préféré l'embrasser. Je sais que pendant tout le moment de la grossesse, j'avais tout le temps peur. Peur de ce qu'on allait penser, peur de ce qu'on allait dire, peur de tout. Je le voulais, ça j'en étais sûre, mais je savais pas si c'était le moment, si lui il était à l'armée, je savais pas. Bon, je savais quand est-ce qu'il rentrerait, mais j'avais peur de me retrouver toute seule avec le bébé. J'ai eu l'impression qu'ils ont pas eu confiance en nous et en notre affection pour eux. Vous lâchez jamais, vous l'écoutez jamais. On est comme ça, hein, on n'est absolument pas possessif, ni l'un ni l'autre. Et vous tirez toujours près de vous comme ça? Oui. Maintenant, ça s'est un petit peu calmé, mais alors. Les premiers temps, c'était infernal. Oui. C'était assez. Bon, j'aimais bien, mais c'est vrai qu'il y a des fois limites. Où. Oui, dans certaines limites. On est tous les deux très possessifs. Et... on est très jaloux aussi. Très jaloux. Non, il est comme ça. Lorsque Véronica s'est mise en couple, beaucoup de ses amis lui ont tourné le dos.
Hélène est la seule qu'elle revoit. Il y a 3 ans, elle a été témoin de leur rencontre. Comme Véronica, elle vit en couple. Aujourd'hui, elle est enceinte de 4 mois. Ça va avec lui ? Hein ? Ça va avec lui ? Oh, ça va ? Vous avez été surpris de leur rencontre ? Comment ça s'est passé entre eux ? Oui, assez. Oui. Pourquoi ? Ben, parce que... Enfin, je ne le connaissais pas beaucoup, mais bon... Véronica, on avait à peu près le même tempérament, donc on était plus pour le divertissement et... Puis la lunette, elle était un peu volatile, quoi. Puis ça s'est fait d'un coup, en une soirée, de suite. C'était le vrai flash. C'était. Bah, d'ailleurs, elle le dira, c'est pour ça qu'elle s'est un peu éloignée, je pense. C'est qu'on était. On pouvait plus décoller. C'est une surprise, ça ? Oui. Oui, parce que moi, je le vis pas de la même façon avec mon couple, quoi. Parce que moi, c'est pas comme ça, quoi. C'est... Non, moi, c'est au jour le jour. Puis à la limite, je pourrais avoir. Si on parle de coup de foot, je pourrais l'avoir avec plein de personnes parce que je suis trop, j'aime trop les hommes en général. Moi, quoi. Je pense que pas... une fois qu'on a décidé, je pense, de faire sa vie avec quelqu'un, d'avoir des enfants, de vouloir se marier, etc. Ben, on est avec cette personne-là et puis moi, c'est comme ça. C'est... Je suis avec Emmanuel, je reste avec Emmanuel, et je pourrais tomber amoureuse de personne d'autre. Ouais, vous avez. Encore une fois, vous avez hésité à garder le bébé. Hein. Vous avez hésité à garder le bébé. Oui. Vous avez, je sais pas, jusqu'à peu de temps avant sa naissance, pensé même à coucher sous X. Mm-hmm. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis finalement ? Comment ça s'est pris la décision ? Combien de temps avant qu'il naisse ? À peu près. Je sais pas. 2 heures, quoi, c'est votre tarif. Quoi. Non, non, non. Et en fait, quand j'ai vraiment décidé de le garder, ça a été pendant que le gynécologue était en train de dire que j'étais en train d'accoucher. Et puis voilà. Ça a été, oui, 2 heures, donc... C'est ça, oui, c'est donc... Mais ça a été la décision finale, bon, c'est-à-dire on réfléchissait au début, on hésitait, et puis là, ça a été la décision finale, il m'a demandé, parce qu'il ne fallait pas que je lui donne mon nom si j'accouchais sous X, ça. Donc il m'a posé la question, et puis il paraît que j'ai hurlé même, j'ai dit non. On va revenir à vos parents qui ont donc appris 2 heures avant l'accouchement qu'ils allaient devenir grands-parents, donc 2 heures, c'est vrai que c'est mieux que 0, hein, si on est positif, mais convenez que ce n'est pas très long quand même pour se faire à l'idée qu'on devient pour la première fois grand-père et grand-mère. Vous en conviendrez ? Oui, oui. Merci, Véronica. Pour quelle raison vous n'avez pas parlé de votre grossesse à vos parents ? Ne serait-ce qu'à vos parents ? On ne savait pas comment ils réagiraient, déjà. C'est-à-dire, vous aviez peur de quoi ? De la fameuse beigne dont parle votre beau-père ? Entre autres, voilà. C'est... Vous avez eu peur qu'il vous en colle une, vraiment ? Qu'il m'en colle une, non, pas sur l'instant, mais de sa réaction sur le temps, quoi. Parler de votre père, là ? Voilà. Ouais. Mais du sien aussi, je pense que c'est... Mon père, il est trop gentil. Il est trop gentil, votre père ? Mon père, oui. Ouais. Non, c'était une peur constante, c'était pour tout. C'était les études, c'était Emmanuel, à cette époque, était à l'armée. Vous étiez au lycée ? Moi, j'étais au lycée. Bon, on est quand même jeunes, malgré tout. Hein. Ouais. Mais personne de votre entourage n'a remarqué que votre corps se transformait peu à peu ? Si. Alors, qu'est-ce que vous disiez ? J'avais pris du poids. Vous avez pris un peu de poids ? Beaucoup. Ouais. Emmanuel, vous le viviez comment, vous, avec la même anxiété, pour ne pas parler d'angoisse ? Tout à fait. Bah, le fait était que j'étais au service militaire, donc Véro, je ne la voyais déjà pas beaucoup. Ouais. Et bon, ce bébé par-dessus, c'était vraiment pas facile. Ouais. Vous avez pu assister à l'accouchement ? Non. Non. On m'a libéré dans les 24 heures, mais ça s'est arrêté là. Être parent aussi jeune, est-ce que ça éloigne des jeunes de ceux de votre âge ? Oui. Oui. Enfin, en tout cas pour moi... Ça vous intéressera, ça, je pense. Oui, quand ça les rapproche jusqu'au bout. C'est-à-dire que les amis qui sont à côté de nous maintenant, c'est les parrains d'Antoine et puis la marraine, et 2 autres amis d'Emmanuel. Mais quand ça les éloigne, c'est pour toujours, oui. C'est-à-dire que du jour au lendemain, j'ai plus de nouvelles. Je suis quand même retournée au lycée après l'accouchement, il y en a qui me disaient plus bonjour. Ouais. Pourquoi, j'en sais rien, mais oui, ça éloigne beaucoup. Mais c'est une autre vie. Ouais. Puis c'est une autre vie dans le sens aussi où on est installés ensemble, il y a une vie de couple. Emmanuel travaille, il est obligé de gagner sa vie, on est obligé pour vivre, quoi. Il y a eu des... Donc c'est vrai que c'est une autre... Oui, c'est une autre vie, c'est tout à fait... C'est des concessions, des contraintes, mais que vous ne regrettez pas, visiblement. Non, quoi. Non, on ne regrette absolument pas. Toujours collés l'un à l'autre. Il ne vous colle pas trop, là, ça va, vous le supportez là ? Non, là, ça va, je le supporte parce qu'on a mis un peu le frein. Puis bon... Comment vous avez fait pour mettre le frein ? Non, mais ça va petit à petit, ça vient tout seul aussi. Parfois c'est elle aussi, d'accord. Non, mais au début, on est toujours fusionnels, de toute façon. Après, il y a la vie aussi, hein, il faut qu'il travaille. Moi, j'ai mon bébé. Ouais. Quand vous étiez séparés l'un de l'autre, vous vous êtes beaucoup écrit ? Oui. Beaucoup de lettres d'amour ? Oui. Qu'est-ce que vous disiez dans vos lettres d'amour ? Bah, qu'il me manquait, que j'aimerais bien qu'il soit là. Puis quand il y avait le petit, bah,
que j'aurais aimé qu'il élève avec moi. À l'époque du téléphone, d'Internet, les lettres d'amour. Enfin bon, maintenant par Internet, on peut s'envoyer des emails. Mais... Donc c'était que les lettres. C'était beaucoup de lettres, bon, le téléphone de temps en temps. Au niveau du téléphone portable, il y en a qui ont gagné leur vie avec moi. Vous écrivez, vous aussi? Ouais. Même en habitant si près l'un de l'autre? Non, quand on est proche, on n'écrit pas souvent. Et, mais parce qu'on se voit beaucoup, et puis on se téléphone. Mais dès que je pars en voyage, je lui écris, et puis elle m'écrit quand t'es pas en voyage. Beaucoup? Oui, pour moi, beaucoup, oui. Oui. C'est-à-dire quoi, une fois tous les ans? Peut-être trois lettres par semaine. Ah oui, c'est une vraie correspondance amoureuse, quoi. Donc la lettre d'amour tient toujours, existe toujours, et d'ailleurs on va le vérifier avec Rosane Lebris, qui est sociologue et qui a fait une étude extrêmement originale qui va nous étonner. Rosane, si vous voulez bien nous rejoindre. Bonsoir, c'est Nico, j'en prie. Oui, pendant un an, Rosane s'est intéressée aux lettres d'amour, et pas n'importe quelle lettre d'amour. Elle a analysé, décortiqué un courrier du cœur vraiment particulier. Il s'agit des lettres d'amour provenant du monde entier et destinées à Juliette, la Juliette de Roméo et Juliette. Il se trouve que Juliette reçoit des lettres. Est-ce que Roméo reçoit du courrier également? Quasiment pas. Il n'y a que Juliette qui reçoit. Donc c'est adressé en Italie, à Vérone, là où se passe l'action de la pièce de Shakespeare. Comment se fait-il que Juliette reçoit combien de lettres par an? Alors, en fait, le phénomène a commencé dans les années 40, autour de la Seconde Guerre mondiale. Des gens laissaient des billets sur la tombe de Juliette. Pourtant, elle a 500 ans, cette pièce, au moins. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Et le gardien a commencé à répondre à ces lettres. Et puis, de fil en aiguille, les lettres se sont multipliées. On a commencé à connaître le phénomène, etc. Et aujourd'hui, en fait, depuis 10 ans, la ville reçoit 10 000 lettres. Par an. 10 000 lettres? 5 à 10 000, oui. Pour Juliette, toutes? Oui. Combien pour Roméo? Allez, 1000. Ah, quand même. C'est à qu'on s'intéresse beaucoup plus à celle qui est au balcon et qui est chez elle qu'au pauvre crétin qui joue de la guitare en dessous. Quoi. Bien sûr. Ouais. C'est assez étonnant, quand même. Ça vous surprend pas, en tant que sociologue Non, pas du tout, parce que tout compte fait, Juliette garde quand même, je veux dire, c'est la féminité de l'amour. L'amour a quelque chose de féminin qui est assez impressionnant. Donc, et le personnage de Juliette, c'est quand même elle qui a institué cette déclaration au balcon. Et de fait, on retient aussi cette déclaration. Et on écrit beaucoup plus à Juliette qu'on écrit à Roméo. Des femmes écrivent à Juliette. Les hommes écrivent à Juliette autant. Les femmes n'écrivent pas forcément à Roméo. Qu'est-ce qu'on lui dit à Juliette? Alors, il y a un peu de tout. C'est souvent, bon, en règle générale, ce sont des adolescentes qui écrivent. Des jeunes femmes, filles. Oui. Qui ont entre 12 et 22 ans. Je dirais que donc, c'est l'adolescent un peu plus avancé. C'est souvent des plaintes à ce moment-là. Parce que c'est aussi le moment où tout compte fait, on découvre complètement l'amplitude de l'amour. On découvre complètement le choc, je dirais, de l'amour. Et l'amour, c'est quoi? C'est aussi l'entrée dans la vie. Et c'est effectivement, ce sont des moments très importants, c'est des moments déstabilisants. Ce sont des moments où, socialement, on a du mal à se raccrocher. Ou par contre, le père ou la mère vont être là, de dire, attention, tu es jeune, tu es encore jeune pour aimer, tu as toute la vie devant toi. Mais on a vu qu'effectivement, même un enfant de 5 ans, vit aussi cette sentimentalité, cette émotion, parce que c'est la vie au prime abord. Et ce n'est pas une vie, je dirais, cartésienne, ce n'est pas une vie posée, ce n'est pas une vie professionnelle. Non, c'est une vie démesurée, totale. Ce n'est pas une vie démesurée, totale. Ah, ben, c'est un amour qui est démesuré, qui est contraire aux règles, enfin, dans le cas précis de Roméo et Juliette. Enfin, je veux dire, effectivement, la société a peur d'un couple amoureux. Vous mettez un couple dans une même entreprise qui se rencontrent, qui sont complètement amoureux, il va y avoir effectivement un rendement qui va se perdre parce qu'on crée un monde, on est créateur de son monde. Et son monde à lui, dans lequel les autres sont un peu étrangers aussi peut-être. Bien sûr, parce qu'on est obligé de s'écarter du monde social. C'est un autre monde, c'est de l'imaginaire, on rentre dans l'imaginaire. Donc on se confie à Juliette comme on se confie à une amie ou qu'on se confie comme à une semblable ou comme à un psy? Est-ce qu'on lui pose des questions? Pas du tout. C'est effectivement des interrogations pour beaucoup. Des questions qu'on se pose en écrivant à Juliette ou qu'on pose à Juliette? Il faut aussi comprendre que l'écriture a un mythe, l'écriture a quelque chose qui n'est pas palpable, permet effectivement de faire passer un secret sans être jugé. Et d'écrire à Juliette, c'est ça. C'est-à-dire que même si je peux parler à ma copine, même si ma maman va me dire quelque chose, même si dans la cour d'école il va se passer quelque chose, au moins... je n'aurai pas le jugement du tierce, le jugement autoritaire sur ce que je vais dire, sur ce que je vais éprouver, etc.
Donc c'est effectivement un espace de liberté incroyable. Vous avez des lettres sous les yeux, là. Et quelles sont celles qui vous ont le plus marqué parmi celles que vous avez sélectionnées? Il y a effectivement de tout. Je veux dire, là, par exemple, il y a un homme de quasiment 70 ans qui a écrit à Juliette en 98. Et il raconte donc son histoire. Il a rencontré une femme au Fort San Michel, qui est à côté de Vérone, durant les années 43, durant l'année 43, durant la guerre. Et il a perdu cette femme de vue. Et 50 ans après, donc on en revient un peu, c'est assez étonnant, il écrit à Juliette pour demander de retrouver cette femme. Ah oui, ah bon ? Voilà, il écrit à Juliette, il écrit cette lettre, il se dit, tiens, je lance une bouteille à la mer, ça m'intéresserait de retrouver cette femme avec qui j'avais passé peu de moments, mais c'était des moments effectivement inattendus. Et Juliette a retrouvé cette femme. Mais qui est Juliette ? Alors Juliette, bon, Juliette en fait, c'est une association. C'est le club di Giulietta. C'est des bénévoles, des femmes qui viennent trois fois par semaine dans un petit club qui a été monté par l'initiative en fait, d'un homme qui a voulu faire revivre toute cette dynamique mythique de Juliette. Alors il le fait revivre à travers effectivement ce courrier. Au nom de l'amour. Voilà, tout simplement. Il a complètement plaqué son boulot et dans les années 70, il a monté ça avec des copains. Et puis les femmes répondent à ces lettres dans la langue dans laquelle la lettre a été écrite, bien évidemment. Est-ce que vous avez d'autres comme exemple? Oh ben, y en a plein. Il y a effectivement une petite Oli, 12 ans, qui aime son petit voisin Quentin. Et puis bon, elle est vachement triste parce que c'est pas comment lui dire à ce petit Quentin comment il faut faire pour l'aimer et comment il faut dire surtout ben je t'aime ben, parce qu'effectivement il n'y a pas beaucoup de paroles. Et je voulais rebondir un petit peu sur ce qui a été dit tout à l'heure et la difficulté que vous avez à demander effectivement aux personnes qui sont là de nous dire mais alors qu'est-ce qui s'est passé, dites-nous. Et la parole est très pauvre, et notamment en français, on a très très peu de mots pour dire « bah ouais, je l'ai rencontré, et c'est celui-là que j'aime, et c'est pas un autre, et c'est celle-là, et c'est pas un autre. Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Bah j'en sais rien, c'était le... Parce que c'était lui, parce que c'était moi. Oui, et l'écriture permet effectivement une mise en parole, parce que l'écriture va nous permettre de prendre la métaphore pour exprimer des choses que la parole... ne met pas en scène. Par contre, on va se mettre en scène, je veux dire, quand un couple se retrouve au bord de la mer devant une immensité, c'est aussi ben, l'éternité de l'amour. Et là, c'est une parole, mais indirecte, une parole métaphorique. Et Juliette a répondu à cette lettre également? Oui, bien sûr. Elle répond à toutes les lettres. Elle donne des conseils, quoi. Voilà, elle donne des conseils. Ouais. Qui serait tenté d'écrire à Juliette sur ce plateau? Qui aurait pu l'être au cours de sa vie? Je savais même pas que ça existait. Ouais, ça, moi aussi, première découverte. Paulette? Je pense que je préfère écrire moi-même et puis m'adresser à la personne directement. Par les intermédiaires, je ne suis pas très intermédiaire, je suis assez directe alors. Paulette, elle est directe, hein, vous voyez, ah je veux ouais, dire ça, ouais. Non, ce que vous disiez tout à l'heure, c'était toute la difficulté d'exprimer ce qu'on ressent quand on a ce coup de foudre, enfin ce pincement au cœur. Est-ce que Paulette pourrait nous expliquer sur ce que vous avez ressenti, vous? Ah ben moi, quand ça m'est arrivé, d'abord j'ai commencé par me bégayer. Et puis j'ai senti une vague de chaleur intérieure dans moi, et j'avais les mains gelées tout en étant chaude. Puis je cherchais mes mots. Après je m'interrogeais, je me disais, mais vas-tu arriver à en placer une? J'étais complètement paniquée de ne pas arriver à sortir les mots que je voulais, et à chaque fois que j'entendais sa voix, j'étais pétrifiée. J'étais charmée, mais pétrifiée. Et je vous dis, je n'arrivais pas à parler comme je fais d'habitude. L'amour avec quelle forme, si vous pouvez nous préciser? L'amour avec quelle forme? Bonne forme, déjà. Ben oui, puis je suis idéaliste. Ah oui. Et alors, je l'ai pris comme le plus beau, le plus grand. Remarquez, le plus grand, il est 1m98, il ne peut pas être plus petit. Il pourrait être plus petit, si. Il aurait pu, mais bon... Il ne peut pas venir parce qu'il travaille, là. Hein. Il travaille, oui. On a une photo de lui, je crois. Ouais. Vous mesurez combien, vous? 1m56. 1m56, c'est 1m90. Choc de titan, là. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand, la première fois que je l'ai vu, j'ai pas vu sa tête, j'ai vu son thorax. Quoi. Et il a fallu que je lève la tête pour que je sois... Vous êtes tourné vers le ciel et vers le soleil à la fois. Vous savez, quand on est à la maison et que je suis en chausson, j'arrive au nombril. Hein, Si je veux vraiment lui faire un bisou sur la bouche, ben, il me porte. Oui, d'accord. Mais c'est bien. C'était il y a 7 ans. Vous meniez une vie, ce qu'on peut appeler tranquille, ben heureuse, oui, tranquille, épanouie. Heureuse. J'étais pas malheureuse. Donc vous meniez une vie tranquille et heureuse. Vous étiez veuve d'un premier mariage. Vous étiez maman de combien d'enfants à l'époque? J'étais veuve d'un premier mariage. Remariée? J'avais 3 filles et j'étais enceinte du garçon quand je me suis trouvée veuve. Oui. D'un mois et demi. Et puis je me suis remariée 4 ans après. Avec le papa de mon cinquième enfant, qui est une fille. D'accord. Et ce monsieur-là aussi, vous aviez un grand sentiment amoureux pour lui? Je pense que c'est davantage lui qui était amoureux de moi. Ouais. On était voisins.
je le connaissais déjà avant quand... Votre mari était vivant. Voilà. Ouais. Et puis, je pense que c'est lui qui a davantage flashé sur moi. Ouais. Et d'ailleurs, quand il m'a dit ses sentiments, je l'ai stoppé net. Parce que je n'avais pas été particulièrement heureuse dans ma vie de couple avant. Alors, j'étais rassasiée. Mmh. Hein, mais le mot rassasiée, c'est ça. Et je suis débitée tout ce que j'avais sur le cœur. Oh, j'écoute bien. D'abord, il m'a annoncé ça quand j'étais enceinte de mon fils. Et je lui ai dit, écoute... on va se calmer. Si tu veux une aventure avec ta voisine, eh ben ma foi, on verra ça plus tard quand j'aurai accouché. Ouais. Mais ne me parle pas de vie commune parce que j'en suis rassasiée. Ah ouais. Et puis, ben, il n'a pas... Il n'a pas lâché. Non, il n'a pas lâché. Puis il a été... C'est sa gentillesse, je crois, qui m'avait émue. Parce qu'il m'a dit, mais moi, je ne suis pas comme ça. Je prends tout le monde, je prends les enfants, je prends la femme. Je suis sérieux, etc. Alors bon... C'était vraiment les extrêmes avec mon premier mari mais le temps que j'ai passé avec lui, j'ai plutôt materné que d'être une femme. Alors j'ai eu un sixième enfant quoi. Ouais. Mais j'étais pas malheureuse pour autant. Tu es restée combien de temps avec lui ? Je me suis mariée en 83 ouais. Et je suis partie en 95. Ah oui, quand même un petit morceau oui, de vie quand ben même. Oui, ben bien sûr. Ouais. Et donc la première fois que vous avez ressenti le grand amour, c'était la troisième fois, c'était la dernière fois. Ben, c'est avec Daniel, je n'avais jamais ressenti ça auparavant, jamais. C'est pour ça que je me suis demandé si je tombais pas, si le ciel ne m'était pas tombé sur la tête. J'ai bien essayé de me raisonner, de me parler intérieurement. Puis je me disais, mais Paulette, réfléchis, d'abord tu as ta vie, il y a les enfants, etc. Mais j'ai rien pu faire, j'ai essayé, j'ai rien pu faire, non. Du tout. Puis après, je vais vous dire franchement, j'ai même pas essayé de résister parce que l'amour était trop grand. Oui. Là, cette fois-ci, c'est les deux sont amoureux autant l'un que l'autre. C'est moi qui ai eu le coup de foudre au démarrage avec Daniel. Je pense que lui, après, il a vu tout de suite que je ne m'étais pas indifférent et puis réciproquement. Mais comme c'est un homme beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus mesuré, et puis en pensant d'abord à la situation où j'étais, je suis sûre que. Cinq enfants, je pense que ça affolerait pas mal de gens. Remarquez, les aînés étaient quand même majeurs, puisque j'en avais trois de majeurs. Il y avait que mon fils Julien et puis Maureen, la dernière, qui avait 12 ans. Il a dû réfléchir quand même à pas mal de choses. C'était toute une vie qui s'ébranlait. Il a fallu qu'il réfléchisse à savoir. Ça a pris du temps, hein, parce qu'au bout de trois semaines de travail commun, lui est reparti en Bretagne. Oui, et puis on n'a fait que se parler pendant trois semaines. Moi, j'ai eu le coup de foudre. Et puis plus je le voyais, plus ça grandissait. Mais je ne pense pas qu'il s'en soit rendu compte, lui. Moi, oui, mais lui, non. Vous aviez quel âge Vous aviez quel âge à ce moment-là J'avais 43 ans. Vous aviez 43 ans, donc pour dire que ça peut frapper à n'importe quel âge, à n'importe quel moment. Ah, bien sûr. Ouais. Vous sentiez prête à tomber amoureuse à ce moment-là, ou c'est vraiment l'amour qui vous a... Je pense que je devais attendre ça depuis très longtemps. Ouais. Donc le Daniel est parti au bout de trois semaines, oui. Il est revenu au bout de combien de temps? Il est revenu que l'année d'après. Ah oui. Et pendant toute cette année, alors, vous avez vécu comment? J'ai vécu avec Daniel dans ma tête, mais... Mais quelqu'un d'autre dans votre lit, hein? Bah oui, il faut le reconnaître. J'avais repris mon rythme de vie normal, quoi. Quelque part, à chaque fois que j'allais en Bretagne chez mon père, puisque mon père habitait la Bretagne, et quand on allait le voir, je m'imaginais que j'allais le rencontrer, qu'il allait passer la rue avec sa baguette et que j'allais le rencontrer. Je l'imaginais. L'image que je me suis faite, c'est que je le voyais sortir de la boulangerie. Combien de fois je me suis imaginé ça? Pourquoi la boulangerie? J'en sais rien. Mais je le voyais avec sa baguette et que je traversais la rue et que là, j'étais pétrifiée parce symbole, que je le voyais. Là, ouais. Sans doute, je ne sais pas si c'était un symbole, j'en sais rien. En attendant, chaque fois que je le voyais, puis comme je ne savais pas. C'est grand où la Bretagne, habitait, hein, ouais. Je ne savais pas. Hein, nous, on a parlé, il était habité dans la Bretagne, il ne m'avait pas dit la ville qu'il habitait ni quoi que ce soit. Et j'en étais restée là. Et je savais qu'il allait revenir l'année d'après. Alors, quand je sais que l'année d'après, il est revenu. Oh, alors là, mes jambes. Comme ça. Ah, ben, je me suis assise, hein, je ne pouvais pas rester debout. Ah bon? Mais je vous assure l'effet que ça fait. Et puis, on s'est expliqué. Je lui ai dit d'abord qu'il exagérait de ne pas avoir donné signe de vie. Et puis, il m'a dit que ce n'était pas de sa faute. C'était son patron qui l'avait rappelé et qu'il n'avait pas pu. Il avait pas le terrain était propice, mais ce n'était pas pour n'importe qui, quand même, hein, pour autant. Je dis, le terrain était propice. Elle était prête à tomber amoureuse, mais pas de n'importe qui. Parce que c'était celui-là et pas un autre. Hein. Ah oui, parce que je vais vous dire franchement, j'ai rien d'une Miss France, hein, loin de là. Non, mais faut être honnête. Je suis du genre passe-partout, disons. Moi, je trouve que je suis lucide. Je n'ai rien. Mais enfin, je ne suis pas un laidron non plus. Je trouve, mais bon. Et,
Et je crois qu'avec le contact de Daniel, je me suis sentie davantage encore plus belle. Oui, je me trouve plus belle par son regard. Vous êtes enfin sentie femme ? Exactement. Ouais. Femme avec lui. Ouais. D'accord. Et vous l'avez dit ? Comment vous l'avez dit à Daniel qu'il vous avait manqué, que vous aviez des sentiments pour lui, que... Vous êtes déclarée ? Pas ce jour-là, pas le jour où... Non, mais c'est vous qui vous êtes déclaré ou vous l'avez laissé venir? Comment je vous dis ça? Il le sentait bien, mais il n'osait pas me dire quoi que ce soit. Il était marié? Non, célibataire. Mm. Et il y avait un collègue à lui, enfin un routier qui était avec lui et qui faisait toujours équipe ensemble. Et puis, ce monsieur-là, Pascal, il a dû sentir. Je pense qu'il est peut-être plus observateur que d'autres, j'en sais rien. Et puis, un jour, il m'a chambré un petit peu comme ça. Puis, il me dit, mais es-tu heureuse, toi? Alors, je lui ai dit, mais ça ne te regarde pas. J'étais pas prête pour lui dire. Et puis, on a fini par discuter. Il est resté plus d'une heure avec moi. Et puis, il m'a dit, mais tu ne dois pas être comblée, tu ne dois pas être heureuse. Ben, je lui ai dit, d'abord, si je n'ai rien à te dire. Et je lui dis, mais je vais te dire simplement une chose, si j'avais à tromper mon mari, ce serait avec Daniel. Et bien il m'a dit, tu m'étonnes pas du tout parce que ça se voit. Et bien la première chose qu'il a fait, c'est d'aller répéter à son copain. Il était le dire à Daniel. Il était le dire à Daniel. Et je pense que là, Daniel a vu les choses d'un autre angle. Hein, il a compris là, je pense. Et puis le courant a passé plus vite là quand même. Et un jour, moi, parce que je reconnais que c'est moi, ben, je lui ai donné l'adresse d'un client qui devait aller livrer. Et puis derrière, ben, j'ai mis mon numéro de téléphone. Chez vous ? De chez moi. Mais il pouvait tomber sur votre mari ? Non, parce que je lui avais marqué l'heure à laquelle il pouvait me téléphoner. Il faut se méfier des femmes, hein. Non, parce que j'avais envie de lui parler, j'avais envie que... Au travail, on ne pouvait pas dire des choses, et j'avais envie d'avoir quelque chose de plus loin, d'aller plus loin avec lui. Comment s'est passé le premier baiser? Oh, bah alors là, il avait les lèvres d'une douceur. C'est dingue. Ouais. C'est dingue, mais... Rien que d'y penser, ça vous fait des choses? Oh, bah oui, mais bien sûr. Ouais. D'abord, j'imaginais pas qu'un homme ait les lèvres aussi douces. Ouais. Remarquez, c'est peut-être parce que j'en ai pas embrassé beaucoup. Mais bon, non, c'est vrai que ça n'avait rien de comparable. Je fondais c'est... complètement, j'étais Mais totalement Mais c'est comme amoureuse. Une première fois ? Ah ben c'était comme si c'était la première fois. J'avais l'impression d'avoir 20 ans. J'avais peur que tout le monde me voie. J'ai l'impression que tout ça se voyait sur ma figure. J'avais l'impression aussi, vous avez que tout... ça, Ben oui. J'aurais été très honteuse d'ailleurs. Et très honteuse oui. Avant ? Ouais. Quand je suis retournée chez moi, j'osais pas regarder mon mari en face, bien sûr, parce que je me sentais gênée, coupable de quelque chose. Ah bah ouais. Et c'était qu'un baiser, mais ça promettait le c'est reste, ça, quoi. Ouais. Parce que à ce moment-là, je savais que c'était terminé avec mon mari. Je vous le dis franchement. Et vous l'avez dit combien de temps après à votre mari? Il s'en est aperçu, quand on est allé plus loin avec Daniel. Daniel est parti le vendredi. Et le soir même, je suis tombée malade. Et puis, Alors ? Mon mari, il a eu la raison, ouais. Que... Vous étiez partie ? J'étais partie, il m'a dit, il y a quelqu'un. Alors, j'ai grillé les grands yeux que ce n'était pas vrai, bien sûr. Parce que d'abord, je ne voulais pas le dire tout de suite, mais il l'a senti. Parce qu'après, nos rapports physiques n'étaient plus du tout les mêmes. Je ne pouvais plus, de toute façon. Et puis, l'année qui a suivi était très difficile parce que Daniel, on se téléphonait toutes les semaines. Je lui écrivais 3-4 lettres par semaine. C'était pas Juliette que vous écriviez, vous? Non, moi c'était à lui. 6 pages à chaque lettre. Je passais des fois des journées, je faisais plus rien chez moi. Parce qu'il fallait que je passe mon temps à écrire. Alors après, je speedais pour faire le ménage, Et puis, le ménage s'est dégradé après de plus en plus. Vous parlez de l'autre ménage, de la relation avec votre mari. Pour mon mari, c'était plus possible de toute façon. J'ai dû mettre mes enfants au courant. Au couvent ? Au courant, pardon. Au couvent, non. Et puis, je suis partie l'année d'après, en 95. En Bretagne ? En Bretagne. Avec vos enfants ? Avec deux de mes enfants. Parce que ceux qui étaient majeurs n'ont pas voulu. J'avais ma maison qui était... j'étais propriétaire, moi, de ma maison à l'époque. Mmh. Et mes filles avaient leurs études, elles étaient en fac, et elles ne voulaient pas tout abandonner pour ça. Et elles ont préféré rester dans la maison. Et moi, je suis partie avec la dernière. Ils vous en ont voulu peut-être un petit peu. Est-ce qu'ils vous ont compris pour autant? Je pense qu'ils m'ont compris. Les 5. Parce qu'ils ont vu que j'étais sincère.
et que ce n'était pas un enfantillage et que c'était quelque chose de profond. Et Mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous vous sentez complètement à l'abri d'un coup de foudre ou est-ce que d'une autre manière... Mais comment vous pouvez en être sûr? Ah non, c'est pas possible. Non? Non, ça c'est même impossible. Et vous? Le coup de foudre, je pense qu'on l'a, mais relativement, quand on est jeune. Merci. Mais oui, vous êtes jeune. Merci. Voilà. Non, mais après, quand on a un certain âge, le coup de foudre, c'est pas vrai. Ça... Ouais. Je n'y crois plus. Hein. Ouais. Ah ben, je sais pas, mais alors moi, ça m'est arrivé. De toute façon, j'ai eu l'impression d'avoir 20 ans, donc il est normal que ça arrive. Voilà, vous avez 20 ans. Florence, le coup de foudre, comment vous pensez que ça existe, vous? Oui. Ah oui, moi, je suis sûr, oui. Ouais. Mais je ne sais pas si ça peut arriver qu'une fois. Ah oui, c'est ça. Vous n'êtes pas sûr, vous ne pouvez pas jurer non. Aujourd'hui que vous ne pourrez pas avoir un autre coup de foudre. Aujourd'hui, je ne sais pas. Ouais. Ça fait 10 ans, vous aviez 30 ans, vous avez connu aussi le coup de foudre qui a fait basculer votre vie, tout comme Paulette. Vous étiez responsable d'un village vacances. Vous aviez une vie, vous étiez plutôt heureuse de votre sort. Ouais. Et en 15 jours, vous avez tiré un trait sur votre vie pour aller vous installer avec Jean-Luc, qui est docker en Normandie, un peu comme Marlon Brando sur les quais. Fait, ouais, comment vous avez su que Jean-Luc, c'est son nom, était l'homme de votre vie? Je ne l'ai pas expliqué tout de suite, de toute façon, puisqu'il est rentré dans... On accueillait les gens, d'ailleurs, avec des roses. Et effectivement, on accueillait Jean-Luc avec une rose. Et c'est ma sœur qui l'accueillait avec une rose, et puis ça fait tilt, quoi. Je suis d'abord pas quelqu'un de démonstratif, et là, j'ai été démonstratif dans ma façon d'être par rapport à cet homme-là. Et effectivement, tout de suite, j'ai pas basculé, mais effectivement, j'ai senti quelque chose de très fort, quoi. Et lui? Alors lui, il a bien vu que, bon, c'était... oui, il y avait quelque chose aussi chez lui, hein. Sauf que lui était beaucoup plus réservé en disant que cette femme-là, c'était pas pour lui, de toute façon. Pourquoi? C'est Jean-Luc. C'est Jean-Luc. Ça. Ah oui, ça c'est Jean-Luc. Ouais. Il était marié, il avait des enfants, il vivait avec quelqu'un, non, il était célibataire. Ouais, qu'est-ce qui vous rendait si sûr en si peu de temps? C'est ça qu'on a du mal à comprendre. Vous savez, quand on fait 25 pays et qu'effectivement on rencontre quand même pas mal de gens, hein, il y a des gens qu'on rencontre, et effectivement, si on n'a pas fait un long bout de chemin avec eux, et là, je savais que j'allais partir avec lui de toute façon, et que j'allais me marier, et que j'allais avoir des enfants. Vous êtes marié? Oui. Vous avez des enfants? Oui, une, Manon. Mmh. D'accord. Depuis combien de temps vous connaissiez ce Jean-Luc quand vous l'avez rejoint en Normandie? Alors, il est arrivé fin avril, donc c'était les vacances de Pâques. Je suis partie la semaine d'après, donc le mercredi, pour arriver le jeudi matin. Il m'a demandé en mariage le jeudi soir. Je suis repartie dans le village vacant chercher mes malles, parce qu'à cette époque-là, j'avais des grandes malles, hein, puisque je voyageais beaucoup. Et j'ai donné ma démission et je suis remontée en Normandie. Donc le tout sur un laps de combien de temps? Mi-mai. Donc en un mois et demi, vous étiez... Oui. Et le 2 juin, je me suis mariée. Ouais. Enfin, on s'est mariés. Qu'est-ce que vous croyez du coup de foudre? Qu'est-ce que vous pensez du coup de foudre, d'après toutes les histoires qu'on vous a racontées dans votre cabinet? Alors, et celle que j'entends ici, et celle que j'ai pu entendre dans mon cabinet, je pense que le coup de foudre existe tout à fait, ouais. Qu'il éclate, parce que probablement on y est prêt. Qu'il y a quelque chose la personne. Donc il n'éclate pas n'importe quand? Il n'éclate pas n'importe quand, je ne crois pas. Et pas avec n'importe qui non plus. Parce que encore faut-il qu'effectivement il y ait une certaine réalité qui corresponde. Mais d'autre part, je pense qu'il y a toute une part d'imagination, d'imaginaire, de préparation comme ça qui s'est faite et qui fait que. Voilà, on va pouvoir se dire parce que c'était lui, parce que c'était moi, même si on ne s'était absolument pas fait le portrait. Alors là, ça serait exclusif du coup de foudre. On ne s'est pas fait, on ne s'est jamais pas fait de portrait robot, de celui pour qui on... À n'importe quel âge, vous pensez? Et ça, je crois que c'est possible à n'importe quel âge. Paulette, les nuits d'amour sont toujours aussi bien qu'avant? Oui, monsieur. De rien, madame. Et vous, Florence, 10 ans après? Ah ouais, c'est toujours aussi bien. Je pense qu'il a encore plein de choses. C'est énorme, c'est puissant, c'est fort, ça vous... Ouais, mais bien sûr, ouais. Ouais. Moi, je serais plus là. Hein. Ouais. Ah oui, ça me dérangera pas. Mais ça reste aussi intense que ce que vous avez ressenti au premier jour. Ouais. Tout à fait. Et je pense qu'on a plein de choses à se raconter encore. On a plein de choses encore à faire ensemble. Ouais. Ne serait-ce qu'avec notre fille, déjà. Ouais, et je pense qu'au démarrage, ça a été l'élan tout de suite. Mais c'est encore plus fort après parce qu'on apprend d'abord à se connaître notre corps et plein de choses. Et ça, c'est de plus en plus fort après, moi, je trouve. Vous êtes d'accord? Ouais. Et si ce sentiment venait à s'éroder, à s'abîmer un peu, vous partiriez? Ouais. Ça pourrait vous arriver, vous pensez? Ah oui, oui. Et vous? Moi, je m'accrocherais pour leur ranimer la flamme. Commentaire de Isabelle Durand-Buteau qui vient nous rejoindre, s'il vous plaît.
Les applaudissements, les jouets. Bonjour. Bonjour, asseyez-vous là. Vous êtes mariée depuis 14 ans, Isabelle. Maman de 5 enfants, vous dirigez la section France du Mouvement Mondial des Mamans, une fédération d'associations chargée de défendre le rôle des mamans auprès de l'Organisation des Nations Unies. Vous êtes catholique pratiquante, vous avez une idée assez précise de ce qu'est l'amour ou de ce que devrait être l'amour, du mariage et de la famille. Commentaire d'abord sur les histoires de Paulette et Florence. Alors, sur les histoires de Paulette et Florence, moi, ce qui me frappe en règle générale, si vous voulez, c'est que pour aimer, je trouve qu'il faut quand même une certaine liberté. Et je trouve que dans la plupart des exemples qu'on a vus, il y avait souvent une personne soit dans la tête, soit des parents derrière. Et en fait, moi, je n'aurais pas imaginé pouvoir m'engager, si vous voulez, sur le plan amoureux, avec maman qui me dise « Allô, reviens, il est l'heure de venir te coucher ». Ou alors en étant avec un homme et en pensant à un autre homme. Pour moi, si vous voulez, pour s'engager dans l'amour, il faut quand même une certaine liberté. Et une fusion totale, ou en tout cas, qu'il n'y ait pas d'hésitation. Quoi. Si vous voulez, moi je voulais tout. Ouais. Je voulais tout ou rien. Mais quand je rêvais d'amour à l'âge de, je sais pas, de 15 ans, ou même un peu plus jeune, je me disais, j'ai vraiment envie de quelque chose qui dure. J'ai toujours eu envie de quelque chose qui dure. Et j'ai toujours aussi eu conscience de ma fragilité, si vous voulez. Ouais. Alors sur l'histoire de Paulette et de Florence, pour revenir sur leur cas, et sur le coup de foudre, est-ce que vous pensez, vous, Isabelle, que vous êtes à l'abri d'un coup de foudre qui vous dirigerait vers les bras d'un autre homme ? Ah, moi, je pense que je peux très bien ne pas être insensible à un homme. Oui, je peux très bien voir, ça m'est arrivé de voir des garçons en me disant, tiens, celui-là, il est pas mal, il est beau, il est intelligent, il est brillant, enfin, peut-être des qualités que j'aimerais, mais... Je ne pourrais pas construire quelque chose avec quelqu'un comme ça parce que je me dirais, bon, je suis quand même engagée vis-à-vis de quelqu'un et j'ai engagé 5 vies. Et de, si vous voulez, pour moi, de divorcer, si vous voulez, d'un homme à qui j'ai promis fidélité et de divorcer de 5 enfants, je ne pourrais pas. Paulette. Non, c'est pas comme ça. Je ne pourrais pas, si vous voulez, moi, dire à mes enfants, voilà, vous avez un père, forcément, à partir du moment... On divorce, si vous voulez, on part avec ses enfants, enfin les enfants vont d'un côté ou de l'autre, ça veut dire qu'on sépare les enfants de leur père ou de leur mère. D'abord, moi je ne pourrais pas. Moi j'avais 4 enfants de mon premier mari, j'étais veuve, donc je ne faisais pas la séparation de 5 enfants avec mon second mari. Vous l'auriez pas été, vous auriez rencontré cet homme, ça aurait changé beaucoup de choses ? J'en sais rien, je ne sais pas du tout. Ouais, bon. Le contexte aurait fait que, je ne sais pas du tout. Les choses auraient été différentes, d'accord. Les choses auraient certainement été différentes, je ne sais dire, pas. C'est que moi, je ne pourrais pas, je parle de moi, je ne pourrais pas être heureuse, si vous voulez, en changeant de direction, si vous voulez, tout d'un coup, alors que j'ai l'impression, si vous voulez, qu'en m'engageant, j'ai engagé ma responsabilité, voyez. Parce que certainement, oui. Vous avez l'homme qui vous convient et que c'est tout oui. à fait bien. Oui. Quand quelque part, vous n'êtes pas satisfaite, de toute façon, en restant, c'est pas rendre plus heureux les enfants pour autant, hein. Oui. Mais alors, pas du tout. Oui, alors... Oui. Quand vous dites on ne divorce pas de son mari et de ses enfants, oui. Enfin, ou quelque chose comme on ça... On ne fait pas divorcer les enfants de... Mais là, je ne suis pas d'accord. Je pense à un enfant qui m'a annoncé un jour... Vous savez, on divorce. Et je lui dis non, on divorce pas. Toi, tu ne divorces pas. Tes parents divorcent. C'est tes parents qui se séparent. Ça sera plus compliqué pour toi, mais tes parents ne divorcent pas d'avec toi. Il enfin, y a des familles ça, où on reste ensemble, très, très on reste ensemble pour protéger les enfants, mais où on ne s'entend plus, ou oui, tout du moins on pas... ne s'aime plus. Et je ne sais pas si les enfants se sentent plus épanouis que si la situation était plus claire. À ce moment-là, on ne fait pas d'enfants. Moi, je suis fils. De divorcer, mes parents ont divorcé, j'avais 2 ans, pour moi c'était une tare. Oui, j'aurais préféré être orpheline de père et de mère que d'être enfant de divorcé. Et j'estime, à l'heure actuelle, qu'on ne fait pas d'enfant si on doit divorcer. Mais comment on peut le savoir avant ? J'ai élevé mes enfants jusqu'à leur majorité, et ce n'est qu'après que je me suis séparé de mon épouse. Oui, mais enfin, pendant ce temps-là, vous recherchez quand même votre... Ah non, oui, je recherchais, mais c'était pas du tout pour faire un enfant, nuance. Ah ouais. C'est pas du tout pareil. Ouais, mais si vous l'aviez trouvé plus tôt, vous auriez fait quoi? Moi, si la facilité, enfin, si, quand j'ai dialogué avec mon ex-mari... S'il avait été d'accord pour qu'on puisse s'arranger de façon à ce que j'aille jusqu'au bout
pour m'engager pour les enfants, parce que j'avais des enfants qui étaient en fac, l'autre en lycée, etc. J'aurais été jusqu'au bout. On était, Daniel était prêt à attendre que j'aille élever les enfants. On se serait vu certainement à des périodes. Mais je ne voulais pas abandonner ma mère. Elle n'aura pas abandonné les enfants pour autant. Je n'aurais certainement pas abandonné les enfants. C'est parce qu'on n'a pas pu se séparer à l'amiable avec mon mari. Sinon, je l'aurais fait. Il y a des gens qui vivent des choses... Moi, je n'ai pas vécu ça. C'est des choses très dures, c'est vrai. Mais j'admire, si vous voulez... énormément les personnes qui arrivent quand même à tenir, parce que je pense que, si vous voulez, je pense à un cas précis, par exemple, d'un ami, que ça n'allait pas, il avait plusieurs enfants, et il a divorcé, et il s'est remarié, il a eu des enfants, et finalement, maintenant, il retombe amoureux de sa première femme, et il me dit, tu comprends, c'est bête, c'était une crise passagère, et si j'avais su, voilà. Donc, souvent, je pense à lui, et je me dis, au fond, c'est sûr que, moi, je me suis engagée pour le meilleur et pour le pire. C'est vrai, pas que pour le meilleur. Bon, dans ma vie, il n'y a pas que le meilleur. Mais est-ce que vous ne prenez pas le risque de passer à côté du coup de foudre ou d'un grand amour, Isabelle, avec un comportement comme celui-là ? Je prends le risque. Si vous voulez, j'ai choisi un homme et j'ai dit non à 3 milliards d'hommes. C'est ça. Vous nous avez dit en préparant l'émission, Isabelle, que le mariage arrangé par les parents ne vous semblait pas si désuet. Pas forcément par les parents. Je pense que le mariage arrangé, quoi. Oui, le mariage arrangé, c'est mariage de raison. Une agence matrimoniale, par exemple, arrange des mariages. Ouais. Et par les parents ? Par les parents, autrefois c'était comme ça. Mais les parents, ils ne donnent pas des fiches pour voir. Non, mais autrefois ça se passait comme ça. Est-ce que ça se passait moins bien? Je ne sais pas. Ah, vous n'êtes pas sûr que ça se passait moins bien? Vous pensez que c'est possible? Je pense que c'est possible, oui. C'est-à-dire qu'on peut décréter l'amour. Je pense que quand quelqu'un. Je vais vous donner un exemple. Moi, par exemple. Ça va, Rosane, vous êtes une drôle de tête, dites donc. Oui, je suis. Elle n'est pas d'accord, mais ce n'est pas grave. Ouais. Ce serait pas drôle si on était tous d'accord. Non, pas la même chose, en fait. Moi, par exemple, quand j'ai aimé François. Voilà, une fois que, si vous voulez, on a décidé de se marier ensemble, je l'ai annoncé par exemple à un ami. Et je lui ai dit, écoute, voilà, François et moi, on a décidé de se marier. Et il m'a dit, ah bon, mais je pensais que ça faisait très longtemps que vous l'aviez décidé. Je lui ai dit, non, ça fait uniquement 15 jours. Et pour lui, c'était évident qu'on était l'un pour l'autre. Il nous connaissait très très bien l'un et l'autre, et c'était évident qu'on était fait l'un pour l'autre. Donc je trouve ça amusant de penser que le regard extérieur et les gens qui vous aiment vraiment, finalement, peuvent voir ce qui est bon pour vous. Mais vous croyez au mariage de raison, par exemple, c'est-à-dire aux deux personnes qui regardent dans la même direction et qui ne sont pas forcément follement amoureuses au sens passionnel du terme l'une de l'autre? C'est pas ce que j'ai recherché. D'accord. Vous n'avez pas cherché la passion fusionnelle, quoi. Vous avez cherché une entente, un compagnon pour la vie. J'ai cherché, si vous voulez, disons que je ne me suis pas arrêtée au sentiment amoureux. Quand je me suis dit, tiens, d'abord on a été amis pendant 5 ans, si vous voulez, et ensuite... je dirais que c'est un jour où je me suis rendu compte que je marchais à côté de quelqu'un que je ne le voyais pas. Vous avez quel âge ? J'avais 24 ans. Vous avez connu d'autres hommes avant ? J'avais eu des amis, mais j'ai jamais vécu, si vous voulez, en concubinage, par exemple. D'accord. Non, parce que je me suis toujours dit, je me garde pour me donner complètement, si vous voulez. Que vous inspire le couple de Lionel et Henriette qui ont 43 ans d'écart, qui sont juste en face de vous ? Ce que ça m'inspire. Allez-y, Isabelle. J'ai l'impression de voir la maman et le fils. Ouais, c'est une impression. C'est une impression, mais les impressions sont souvent trompeuses. Oui, oui. Henriette était veuve quand elle a rencontré Lionel, oui. Maman, grand-mère. Est-ce que vous imaginiez, Henriette, à 70 ans, que l'amour pouvait à nouveau vous faire chavirer? Est-ce que vous imaginiez? Je ne m'imaginais pas, mais au moment où c'est venu, c'était quelque chose d'évident. Quand ça s'est produit, il n'y avait rien d'autre qui pouvait compter. Regardez comment ça fonctionne, ce couple aussi étonnant, Isabelle. On le commentera juste après, si vous voulez bien, parce qu'on va regarder ce reportage en entier. Aujourd'hui, vous partagez donc Lionel et Henriette votre quotidien, comme n'importe quel autre couple, le même appartement, la même chambre, les mêmes plaisirs. Il n'en reste pas moins que votre différence d'âge, évidemment, passe pas inaperçue. C'est Jean-Marc Borde et Jean-René Chaperon qui vous ont suivi pendant 2 jours, qui ont guetté notamment les regards et les réactions que provoque votre couple, mais pas seulement, qui ont aussi observé le regard que vous portez l'un vers l'autre. Oui. L'amour, on appelle ça. Allons-y. Oh, il y a un temps super. Ouais. On va avoir une bonne journée. Je suis vachement content. C'est toujours vous qui préparez le petit déjeuner, Lionel ? Sauf les jours où je travaille le matin. Mais lorsque je suis de repos, c'est toujours moi qui me lève le premier, qui prépare le petit déjeuner.
Comme ça, bon, ça permet à Henriette de prendre un petit peu plus son temps, quoi. Me voilà. Bonjour, mon cœur. Bonjour, mon amour. Ça va? Oui, ça va bien. Tout est prêt? Ouais. Il faut appuyer un peu sur les petits pains au chocolat. D'accord. Tu as bien dormi? Oh, très bien. J'avais froid hier soir. J'avais bien besoin de... Oui, j'avais bien besoin de la chaleur. Alors, je me suis rapprochée de Lionel et puis, quand j'ai senti la chaleur, je me suis endormie. Attention tes doigts. Oui. Bon appétit. Henriette et Lionel se connaissaient depuis 5 ans lorsque l'amour a jailli entre eux un beau jour. Tous les deux, nous nous sommes assis sur le divan très... amicalement, et un petit bisou sur la joue, un petit bisou le bras autour de l'épaule, et puis un des bisous a dérapé. Et il a dérapé une fois on s'est excusé, la deuxième fois, bon, un petit peu moins, puis la troisième fois, c'était tellement agréable que... On a laissé aller le dérapage. Ce grand feu d'artifice d'amour. Nous avons vécu pendant 3 jours totalement coupés du monde extérieur. On ne savait plus bien quel jour on était, on ne savait plus bien non plus c'était le jour ou la nuit. Et ça a été vraiment quelque chose de merveilleux. Qu'est-ce que tu as? Allez. Alors ça, c'est une autre époque de votre vie, Lionel. Ouais, j'avais environ 18 ans et demi, quoi. C'était à l'étape, à l'époque où on a été breveté parachutiste d'infanterie de marine, quoi. Il y avait de l'action, là, à l'époque. Bah, pas mal de sport. Le 8 kills, c'est-à-dire 8 km avec 15 kilos sur le dos de Barda. Sinon, tous les matins, on avait plusieurs heures de sport. En guise de sport, Lionel profite aujourd'hui des jours de marché pour aller faire les courses dans le quartier au bras d'Henriette. Salut Robert. Ça va? Bonjour mon ami Robert. Comment vas-tu? Comment tu vas? 530 grammes, ça te va? Ça va, très bien. Ouais. C'est bon. Tu vas nous offrir les 30 grammes, Robert. Là où j'étais surprise, c'est la première fois quand tu m'as dit... Oui. Que tu avais un compagnon, compagnon c'est logique, mais beaucoup plus jeune. Ça m'a effectivement surpris, mais j'ai dit après tout, pourquoi pas? Voilà. Au contraire, tant mieux. Tant mieux, c'est bien. Et puis apparemment, vous êtes un couple qui a l'air de tenir, quoi. Oh, oui. Donc à partir de là, c'est rien de mieux, oui. Quoi. Ouais. Et puis tu nous connais tous les deux. Du moment qu'ils peuvent avoir une relation... Il a vraiment bien installé. Ça va, quoi. C'est bien, tout est bon. Non, c'est parfait, moi, je trouve que... Regardez comme ils sont beaux. Dans son bras, je vais monter, là. Comme d'habitude. Là, ça va, c'est bon. C'est bon, pas de problème. Robert. Voilà. Ça va, Robert. Ah, il est vachement sympa, Robert. Bon. Allez. Bonjour, il nous faudrait 6 œufs, s'il vous plaît. C'est bon? Oui. Est-ce que parfois vous êtes dit, il ne faut pas qu'on se montre trop, qu'on montre trop notre tendresse en public? Et moi, ça m'est égal, mais je sais que Lionel a des réserves. Et moi, ça m'est tout à fait égal. Mais enfin, ça dépend quand même dans quel endroit on se trouve. Vous hésiteriez à embrasser Henriette en public? Non. Vous pouvez nous dire le lien de parenté entre ces deux personnes? Bah, ils sont mère et fils. Ils sont mariés et femmes. Oui. Voilà. Ouais. C'est surprenant. La mère et le fils. Et autrement, qu'est-ce que vous penseriez? Autrement, ben, je penserais plutôt la grand-mère et le petit-fils. C'est vous dit qu'ils vont se marier bientôt. Regardez, Liz Taylor, elle a bien Michael Jackson quand même, non? Comment? Liz Taylor. Oui. Elle a bien épousé plus jeune qu'elle encore. Hein. Oui. Quatre fois plus qu'elle. Moins qu'elle, pardon. Voilà, oui. Il me téléphonait à 10h du soir. Allô, André, je suis pas bien. Je suis fatiguée. Bon. Je languis.
Et maintenant, c'est fini, hein. C'est fini. Depuis que tu es là, c'est fini. Oh, ouais, ouais. Bah, c'est vrai que sa vie a changé, quoi. Vous avez été étonné, André, quand Henriette vous a présenté son nouvel ami? Oui. J'ai eu peur pour elle. J'ai dit, si c'est pas quelque chose de durable, elle va souffrir, elle va être malheureuse. Et ça, je le voulais pas. Et puis non. Et non. Et non, et non. C'est vrai que je suis quelqu'un de fidèle. J'ai toujours été fidèle, j'ai toujours été clair dans mes idées, dans mes sentiments, quoi. Mais il fallait te connaître, tu comprends. Oui, mais bien sûr, mais tout le monde ne me connaît pas. Hein. Et oui. J'ai parlé en premier avec Lionel, et puis ils étaient très proches tous les deux, donc j'ai dit, c'est ta maman. Puis Lionel, naturellement, pas trop choqué apparemment, m'a dit, non, c'est mon ami. Voilà. Alors bon, ça surprend évidemment. Et puis, je me suis pas trop posé de questions parce qu'ils avaient l'air tellement naturels tous les deux. Ils étaient là, ils se tenaient la main et c'est passé très bien en fait. Et passe derrière la voiture verte parce que c'est tout cassé sur le trottoir. J'ai l'habitude, lorsque j'ai quelques instants, et ça se trouve assez souvent, de prendre des petits Bristol, de faire un support, et à l'intérieur, je mets des couleurs un petit peu au hasard. Mais ce qui est étonnant, c'est que lorsque le dessin est terminé, on peut voir des choses très différentes. Elle a une jeunesse d'esprit, elle a beaucoup de charme, qui fait qu'on peut aimer un corps qui ne soit pas parfaitement harmonieux au niveau des lignes, mais s'il y a quelque chose de plus fort, alors on peut tout aimer chez la personne. Ce qu'il y a, c'est quand nous sommes ensemble, il y a on se prend dans les bras de l'autre et il y a ce regard qu'on échange. Dans les yeux de chacun, il y a un tel amour, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et quand j'y pense, je me dis, mon Dieu, mais est-ce que c'est possible une chose comme ça? Notre amour physique naît d'un désir commun, c'est-à-dire que l'un ne va pas désirer l'autre comme ça. Ça nous vient en même temps. On a un baiser et on sent qu'on a un souhait d'amour physique tous les deux. Voilà, c'est comme... Et c'est pas fatigant, 76 ans, de faire ça? Vous taquinez? C'est une mise en boîte? Non. Parce que c'est bien fait, justement. Ça amène plus de santé, une meilleure santé, même. Oui. Même l'amour, on peut le faire avec du respect. Les carottes, tu peux les éplucher? Évidemment. Tu veux que je le fasse? Les carottes, ça se mange pas comme ça. Oh, deux, ça suffit. Hein. Deux, ça suffit. Oui. Je peux le mettre dans l'évier, ça? Oui. Ça te gêne pas? Non, mais plutôt dans le baquet vert. Mais dans l'évier, le baquet. Vous avez plutôt une relation comme une mère et son fils? Oh non, alors vraiment pas. Ouais. Si nous avions une relation mère-enfant, elle serait fusionnelle, elle serait destructrice. Et je peux vous dire que ça ferait longtemps qu'on ne serait plus ensemble. Demain soir, c'est moi qui ferai la cuisine. Tu te reposeras. J'espère. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, je sais bien ce que tu vas faire. Tu vas dire, oh là là, je vais commander une pizza. Non. Comme ça, elle sera toute prête. Non. Non, ça, c'est quand j'ai pas envie de cuisiner et que t'as pas envie de cuisiner. C'est mon joker. Mais bon, c'est rare que j'utilise le joker. Elles sont pas bonnes, ces pizzas, en plus. Ça arrive dans 2 minutes. Quand il me dit ça, je lui dis, j'espère bien que tu reviens. Vous avez peur qu'il vous quitte? Non. Oh non. Voilà donc le reportage sur l'histoire de Nicole, ça vous inspire un commentaire? Est-ce que ça vous inspire un commentaire, cette histoire? Moi, je pense que ça manifeste à travers tout ce qui a été dit, ouais, et à travers ce documentaire-là, que je trouve très beau, ouais, que le sentiment amoureux, l'amour et puis le coup de foudre, c'est pas obligatoirement identique. Et qu'il y a des amours qui naissent de coups de foudre, il y a des amours qui s'élaborent lentement, le sentiment amoureux vient, mais au bout du compte, si on s'est bien débrouillé, ça aboutit à de l'amour, qui est un amour plus ou moins brûlant ou plus ou moins paisible. Torride, c'est le mot. Vous avez cru facilement à l'amour qu'Henriette vous portait, Lionel?
Attendez, vous avez cru facilement en l'amour qu'Henriette vous portait? Je pense que beaucoup de choses sont possibles. Donc également, oui. Oui. Et en l'amour que vous lui portiez, en la profondeur, en la force, oui. En la pérennité de l'amour que vous lui portiez. On l'a senti mutuellement, ça. Oui. Qu'est-ce que vous avez trouvé chez Henriette que vous ne trouviez pas, que vous n'aviez pas trouvé ailleurs dans votre vie amoureuse jusqu'à présent? Eh bien, je dirais l'art, parce que, bon, il y a très peu de choses qui ont été filmées. Beaucoup de choses qu'elle fait, elle fait beaucoup de collages, de peintures, de dessins. Mais on peut aussi s'entendre avec quelqu'un, avoir des affinités artistiques, et oui, puis s'arrêter là, Henriette. Voilà, c'est voilà. Ça. Qu'est-ce qui fait que là, il y a de l'amour? Qu'est-ce qui fait que vous avez basculé vers un grand sentiment amoureux que vous n'aviez pas trouvé chez quelqu'un d'autre? Vous n'allez pas me répondre encore. L'art. La spontanéité, la sérénité, la joie de vivre, la jeunesse d'esprit. Il faut chercher le corps, mais ce qu'il y a de plus subtil, c'est-à-dire ce qu'il y a à l'intérieur de la personne. Ça aussi, ça a son importance. Certes. N'est-ce pas, Guillaume? Tu es d'accord? De quoi? Qu'il faut s'intéresser à l'extérieur des gens, mais aussi à ce qu'il y a à l'intérieur de la personne. Voilà, très bien, merci. Alain Chamfort, pour conclure cette émission, si vous voulez bien nous rejoindre, Alain. Ça va, Alain? Vous en priez, pris quelques notes. Si vous voulez conclure cette émission sur l'amour, la question qu'on posait, c'est y a-t-il un âge pour tomber amoureux? Alors, on a entendu toutes les générations s'exprimer. Mais d'abord, je voudrais vous dire qu'on a passé... un moment tout à fait hors du temps. Je trouve que c'était dans une petite bulle, comme ça on parlait d'amour, donc c'est ce qui peut être le plus beau. On s'est protégé de l'extérieur, de tous les événements graves qui se passent dehors, et que c'était vraiment un moment agréable à passer. On a des capacités différentes, chacun, je crois, à aimer, plus ou moins, c'est tout. L'amour se cultive aussi. Il y a des enfants qui naissent déjà avec un sentiment... et ils peuvent exprimer leurs sentiments amoureux très, très, très jeunes. Je les ai observés pendant l'émission, ils ont une super complicité. Ouais, ça, il peut se passer n'importe quoi autour, ils sont vraiment entre eux, ils sont heureux, ils sont mignons comme tout. Ce couple de gens qui se sont retrouvés au bout de 50 ans, je trouvais ça très fort aussi. C'est-à-dire juste sur un coup de téléphone, avoir pu reconnaître quelqu'un qu'elle avait perdu de vue avec autant d'années s'étant écoulées, prouve vraiment que ça crée un lien inaltérable, quoi. Je veux dire que le sentiment amoureux franchit comme ça les années, les aventures, tout. Et c'est un beau moment aussi que vous avez fait passer tous les deux. Le coup de foudre qui arrive à n'importe quel moment. Le coup de foudre, de la vie. Ça j'y crois, moi. Ah ouais? Je crois au coup de foudre. Elle me faisait penser un peu à l'histoire que Clint Eastwood a relaté dans La Route Madison. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film. Tout à fait. Avec Meryl Streep. Avec Meryl Streep, voilà, qui vivait une histoire avec une famille, avec des enfants, avec un homme auquel elle s'était habituée. Puis elle a croisé un jour ce type et elle est tombée folle amoureuse de lui. Par contre, elle n'a pas osé aller au-delà de ça. Elle a préféré sauver sa famille un petit peu à l'image de madame. Bon, ça peut être considéré comme quelque chose de beau aussi. Je veux dire, moi, je ne suis pas là pour porter de jugement sans quelque chose. Par contre, si un jour vous rencontrez vraiment le coup de foudre qui peut vous arriver aussi, peut-être que vous serez un peu plus perturbé quoi, dans vos convictions. Ouais. Ce qui vous inspire aussi l'histoire d'Henriette et Lionel? Alors, Henriette, alors voilà, encore une chose, c'est que pouvoir échapper un petit peu au regard des autres, je trouve ça aussi une preuve que l'amour est plus fort que beaucoup d'autres choses. Parce que finalement, ces gens, ils doivent supporter constamment la manière dont ils sont vécus par les autres. Et c'est assez mal accepté. Moi, je ramène ça un petit peu à mon histoire. Juste, je vis avec une jeune fille qui a 18 ans de moins que moi. Et quand je l'ai rencontrée, elle avait 19 ans, les cheveux courts. Et moi, j'en avais donc 37. Et un jour, on faisait des courses ensemble. Et la caissière du magasin me regarde. Et elle regarde Claire. Elle me dit, bientôt, le petit garçon va rattraper son papa. Parce qu'elle était aussi grande que moi après. Et d'un seul coup, elle a mélangé le sexe, le rapport entre nous. Bon, ça nous a fait... éclaté de rire, c'était pas très gênant, mais c'est vrai qu'il y a toujours le regard des autres qui se pose. Et pour dépasser ça, ben c'est notamment le fait d'être très amoureux l'un de l'autre permet de tout oublier, quoi. Je trouve que c'est... Je pense que ça peut même renforcer l'amour intérieur. Et automatiquement, l'amour intérieur resplendit. Ouais. Voilà.
Merci à vous tous. La semaine prochaine, nous parlerons des handicaps invisibles. On recevra des invités qui ont du mal à faire comprendre leur souffrance à leur entourage et parfois même jusqu'au corps médical. Une vie quotidienne gâchée par un handicap invisible, migraines, des fatigues chroniques, des troubles de la mémoire insurmontables, l'agoraphobie et d'autres maladies parfois rares que même donc le corps médical a du mal à prendre au sérieux. Comment faire comprendre sa souffrance quand celle-ci ne se détecte pas à l'œil nu? On verra ça mercredi prochain. Mais pour ce soir, je vous propose qu'on se dise au revoir avec Guillaume et Olivia, avec leur mignonne, pour ne pas dire belle, histoire d'amour. Merci, bonsoir. C'est pas mon candidat, et elle, quand elle danse, qu'elle est son corps à doux. Elle, comme un sentier, on sait qu'elle peut s'envoler. Alors je sens faire souffrir tous mes pieds. J'ai posé mes yeux sur sa robe de cette taille.